I can make love Salut Ça va Extrêmement bien. Est-ce que tu serais prêt à joindre le crime organisé pour moi Je serais prêt à, à joindre le crime organisé pour moi-même. <laughs> juste de base. Ouais, juste avoir des beaux <laughs> sous. Avoir des amis. Oui, oui. Oui, ce que j'aime le plus du crime organisé, c'est l'amitié. Ils ont l'air unis, en oui, tout cas. Ils sont là Ça pour... a l'air d'être difficile de partir aussi. Oui, ils se couchent tard. <laughs> c'est extraordinaire. Oui. Remarque, oui. Mettons, on regarde les films de Scorsese, mais... T'arrêtes, oui. la dernière demi-heure, tu la regardes pas. Okay. Oui. Le, le, le bout où ils se font tirer dans la tête, où ils oui. chicanent, t'en regardes pas. C'est extraordinaire. Oh. Ils mangent dans les plus grands restaurants. Oui. Ils sont unis. Oui. Ils ont plusieurs euh, femmes avec qui ils couchent. Oui. Comme il disait dans, dans Goodfellas, oui. vendredi c'est pour les maîtresses, samedi c'est pour les épouses. Oui, oui, oui. Quelle phrase les gens Ils sont respectés aussi. Là. Ils, sont sont reçus reçus oui. oh, ils sont reçus comme pour... des rois. Oui, ils sont reçus. Partout où ils vont. Le monde ont peur d'eux. ouais le monde ont peur, c'est peur de moi. T'aimerais que quand <laughs> tu rentres dans une pièce, ça soit comme. Tan, tan, tan. Oui! Ah, le monde, il faut... Ah, ouais, en lui. Il <laughs> devrais porter des, des trucs avec des épaulettes. Peut-être ça aiderait. Non, le monde, il dirait, il sait pas, le pas costume, que les années mais... 80, c'est fini. <laughs> Je me vois mal porter des épaulettes. Le monde, il va faire, il va pas bien. <laughs> Très non, large, vraiment, très mais... pointu. Pointu? Oui, très comme. Des pics, oui. comme, dans oui. les... <laughs> comme dans les, Ninja les méchants des Ninja Turtles. <laughs> J'ai jamais vu quelqu'un en crime organisé habillé comme ça. <laughs> non, <mais> non, <laughs> non <personne rire> ça me wow. Des pics, oui. des pics oui. en épaulette. Oui. Ben, dans les Ninja Turtles, c'est aussi le crime organisé, ils portent ça. T'as raison, c'est aussi le crime organisé. Oui. <laughs> moi, je pense, pense que euh, je suis une personne plus solitaire. Je ne pense pas que je serais bonne dans le crime organisé. Ce que tu n'aimes pas du crime organisé. C'est les liens. C'est <laughs> tout le temps être avec du monde. social. Être... <laughs> Mais tu peux régler vite ton problème, en oui, fait. Tu oui, ouais, peux être seule rapidement. Non, moi, je me disais, tant qu'à faire comme du crime, j'aimerais être comme un... une charlatan. Tu sais, comme un année, je suis allée à Old Orchard, puis sur le pier à Old Orchard. Old Orchard, oui, là aussi, avec le crime et le. La pier une Madame, tu sais, comme il y avait tous les, les trucs où est-ce que tu peux lancer des, des flèches dans des ballons, puis des affaires de même. Puis mané il y avait genre un tout petit. Ça avait l'air d'un tout petit garde-robe. La madame était là avec toutes ses drapés, puis elle avait une boule de cristal, puis c'était 20$, puis elle te disait, qu'est-ce qu'elle voyait dedans? Selon ah, toi. Ça, c'est du, du crime organisé. <laughs> Moi, je ferais ça. Moi, ça, <laughs> c'est mon type Adam. de crime. C'est mon, mon type de crime en solitaire. Je pense, j pense pas, mais... pas que la FBI est là-dessus. Là. Justement. <laughs> Tu t'es en dessous, tu passes ton, tu passes ton état au Tu peux porter des beaux tissus de soie mauve avec des étoiles. Wow. Puis là, tu dis, ah oui, je vois une nouvelle job. Puis... Mais ce qu'on veut dire par, par là, c'est que, que ça fait pas partie du crime organisé, cette job-là. C'est un crime. <laughs> non, mmh, c'est un crime. Ben, mentir à des femmes, ouais. c'est pas du crime. Ben Est-ce qu'il est... est organisé? C'est plus ça. On -ce il ils ont l'air, ils s'habillent, sur sont plage. Mais est-ce que le crime, c'est pas quelque chose qui est interdit? Oui, mais C'est légal. Mais ça, je pense que ça passe un petit peu comme. Sous le radar. C'est ça. OK. Exact. J'ai juste à dire que j'ai un don. Un don. C'est ça. Tu sais. êtes vous spirituel, pensez-vous que ça fonctionne, ce truc-là? La blague de Bonaventure. Oui. Les madames qui ont des châles puis ils font. Ton frère, il s'ennuie de toi. Non. Moi, je pense pas non plus, mais j'aime y croire que c'est. <laughs> J'aime y croire. Moi, je me dis. J'aime croire que peut-être, mais je, au, profond, au plus profond de moi, je pense que. Je pense pas. Moi, je pense que c'est comme. Tu sais, 99.9, je pense que c'est de la frime, mm. mais je, je laisse la place pour le point mm. 1. Je me dis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui. Oui, Il y j'ai quelque chose là-dedans qui fait du bien. Oui. Tu sais, ça, 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 ça enlève une, une responsabilité. Oui. C'est dans l'univers. Ouais. C'est à cause de l'univers que les choses se passent. Ça. Moi, c'est plutôt si lise en l'avenir. Oui. Être elle, j'investirai en bourse. Si tu vois l'avenir. Peut-être qu'à chaque 20$, elle met un petit 10 de côté. Dans son CELI! <laughs> <ses> <laughs> Mais c'est dans son CELI! Tu sais pas! Tu sais pas, c'est là la portion organisée est aux finances. nos invités. Avec plaisir, mon amour, on accueille Karine Gontier-Heinemann et Marilyn Castonguay. Ouais! Yeah. 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 <laughs> Merci d'être là, les filles. C'est un plaisir. Oui. On vous reçoit ensemble parce que vous jouez dans la série Bien-aimée, Grande-aimée, Très-aimée. C'est comme ça que je t'aime. Vous portez les bijoux de vos personnages. Vous Oui, c'est vraiment extraordinaire. Ah, on est toutes cute. En souvenir, entre... On fait donner ça. En souvenir ouais. de Huguette et Micheline, ouais. parce que là c'est les tournages sont finis, la troisième saison, on peut l'écouter. Comment vous avez vécu cette aventure-là Comment quand vous avez reçu le premier script saison 1, est-ce que vous avez tout de suite vu Mais mon Dieu, c'est un, un bijou. Ça va être des, ça va être un plaisir à jouer. Comment qu'on reçoit un, un scénario comme ça Puis Tu commencer? Ben moi je je quand on m'a appelé pour faire l'audition. Euh, Puis que mon agente m'a dit Projet de François Les Tourneaux j'étais déjà conquise. J'avais pas lu une ligne. J't, 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 comme bien des gens, j'étais fan de Série Noire, de, de des Invin, euh, Les Invincibles, tout ça. Fait que j'avais pas besoin d'être convaincue. Puis des fois, il y a des projets qu'on fait. À, à la première lecture, on sait que ça va être bon. On sait que ça va fonctionner. C'est pas pédant, hein, ce que je uh -huh. dis. C'est vraiment juste comme une, une, une affaire de comme une recette. Là. Tu, sais, tu sais que c'est les bonnes personnes. Tu sais que c'est le bon casting. Tu sais que les textes sont bons. Il y a comme une affaire. J'avais eu ça quand j'avais lu Like Moi la première fois. Puis j'ai eu ça avec C'est comme ça que je t'aime. Quand on a reçu les, 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 juste les scènes d'audition, j'étais comme, ah ben oui, c'est ça, c'est du génie. Je veux dire, comment ça peut ne pas être du génie, deux couples de banlieue qui se font chier dans leur vie, qui deviennent les plus grands caïds du Québec. Tu sais? C'est <laughs> comme la prémisse est tellement forte. Puis en plus de ça, François a l'expérience. Puis tu sais, c'est comme si c'était comme. La, toute la recette était comme au rendez-vous. Tu sais. Oui, puis tu lis, puis tu ris. Tu sais, as deux scènes qui ouais. t'es comme, mon Dieu. C'est surprenant. Mm -hmm. Là, tu veux absolument. Ça marche. Puis, que, je vois, ouais. si je me trompe, toi, t'as auditionné en vidéo, ce qui est la pire manière d'auditionner, semblerait? Ben, moi, je ne vois pas ça de même. Okay. On dirait que je m moi, j'ai un malin plaisir à faire des self-tapes. Au okay. début, j'étais. Dé... C'est ça, moi, je me promène. Moi, je suis grise. Hein? <laughs> je ne suis pas blanche ou noire. Puis, c'est que je trouve que. Bien, au début, c'était peurant parce que tu dis si je me trompe dans ma proposition il n'y a, ben ouais, ouais. a personne pour me mm. le il n'y a personne pour me il a personne pour fait que ça c'est un peu traître mais en même temps ce qu'on nous répète tout le temps quand on arrive en audition en tout cas avec les années au début c'est comme faut que tu sois malléable pour, pour voir ce qu'ils veulent puis après ça c'est ils veulent voir ta proposition d'artiste mm -hmm. fait que es comme bon ben là tant qu'à ça je suis aussi bien de de le montrer là puis de j'ai beaucoup plus confiance en moi dans mon petit local puis ma caméra mm -hmm. <laughs> puis que, que Arrivé là puis euh, tu peux recommencer, mmh. tu peux recommencer, tu peux checker. Tu sais, t'as trois heures. Pour moi, ça m'a pris trois heures, là, faire le self-tape du guette, là. Euh, alors qu'en audition, ça m'a pris, moi, 20 minutes. 20 mettons, minutes? Tu sais. C'est pas tout le monde qui performe sous pression aussi. Toi, je sais pas, mais il y a bien des gens qui choquent en audition alors que c'est des grands acteurs. Mmh. Là, fait que c'est vraiment relatif. Moi, perso, j'ai jamais fait de self-tape. Jamais? Que... Non. OK, bravo. <laughs> Ben, merci. <laughs> Est-ce que l'inverse existe? Y a-t-il des super bonnes auditions, puis sur le plateau, y a une pression différente, puis son... Ça se peut, ça. Okay. Ça se peut. Ouais, Moi, j'ai déjà entendu, oui, ouais. ces histoires-là aussi. Oui, oh, on a déjà vu des acteurs choquer sur un plateau. Oui, oui, ouais. mais même nous, des fois, à quelques journées près, euh, es t'es supposé pouvoir... En tout cas, je sais pas toi, mais, mais ça m'est arrivé des journées où, où t'es supposé être capable de jouer ça, là. Mm -hmm. mm -hmm. T'es supposé être capable d'y de, de, arriver, là. Mm. Puis tout d'un coup, tu sais pas. Tu il sais, mm -hmm. a quelque chose qui. C'est de moins en moins avec la pratique et l'expérience, mais une journée colline, ça y va pas. Mm -hmm. Comment ça? D'habitude, je pleure en une seconde, puis là, euh, ça marche pas. Ou je suis pas capable, ou je comprends pas ce qu'il me dit. Ou je, tu sais, c'est des, mm -hmm. des chimies aussi de direction. de mm -hmm. c'est ça aussi, en, ce qui est le fun d'aller en audition, c'est que tu peux tester la personne avec qui es. Ah. tu es. Sais, des fois, tu vas me dire quelque chose, puis en une seconde, je comprends comment. Puis l'autre, il va me dire de quoi, puis je <laughs> je sais pas ce qui se passe. Où c'est qu'on ligne? qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Moi, je pense que ça me stresse plus de tourner que de faire une audition. Moi, l'audition, là, c'est comme. Il y a une affaire que j'ai compris dans ma vie, là, c'est que l'audition, c'est mon moment. Wow! <laughs> c'est comme un truc, là, que, que j'ai comme bien intégré, ça. Je me sens euh, libre en audition. Alors qu'une fois qu'on me donne le rôle, là, j'ai l'impression que je dois répondre à quelque chose mm -hmm. plus qu'en audition. Parce qu'en audition, je fais, mes si ils aiment pas ça, ils me prendront pas, c'est pas grave. Mm -hmm. quand, mm -hmm. quand on arrive sur le plateau, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas faire la bonne affaire, euh, j'ai peur de me tromper. Ils sont pris avec toi. Hein? Ils le le sont son pris, pris avec <laughs> moi. Tout ça, non, mais c'est vrai, comme pour moi, la pression est plus grande quand on commence à tourner que quand on fait l'audition. Wow. Est-ce que vous... Mais je vais prendre ça, ça, c'était. C'est ce petit... <laughs> mon moment, parce que moi, je me déconstruis beaucoup en audition. Mais c'est parce que... Qu -ce Qu'est-ce qu que, que tu veux dire, t'as con... déconstruit? Ben, je trouve que le contexte est... Je me... je... Es pris en otage parce que si ça marche pas, tu peux pas sortir. Faut que tu continues à répondre aux exigences que tu comprends ou pas. Mmh. Puis quand je viens, que je vois que ça marche pas, ben je suis pognée là, puis là je me déconstruis dans le sens. Là, tous les, les réflexes de, de débutant sortent. Je parle trop vite. Je, je, Mmh. Je, 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 je viens comme la bouche pâteuse, mmh. hein. je suis stressée, je le sais que c'est pas ça, ou que justement, il, faut, il faudrait que j'arrive à quelque chose. Mais je n'ai pas encore tout à fait compris. On n'en travaille pas des milliers d'heures sur le rôle. Mmh. Mmh. J'ai pas tout à fait compris où est-ce qu'il faut que, que, que ça aille. Mmh. Fait que là, je cherche trop dans ma tête, pas assez dans mon... Coeur, mmh. Fait que là, je viens que je, là, je peux être vraiment mauvaise. Tu <laughs> <Je> comprends? <laughs> Oui, moi je pense qu'il faut se rappeler ça. Il faut se rappeler que c'est comme ça va dans les deux sens, là. Parce que toi, tu peux découvrir aussi qu'il te plaît pas ce projet-là. Mmh. Mais Puis... c'est ça qu'avec les années, moi, j'arrive ouais. plus faire ça, oui. Oui, ouais. Puis nous, on travaille pour l'audition, là. C'est comme c'est comme ils sont chanceux, là, qu'on soit là. Nous, mmh. on s'est préparés là, pendant quatre heures, peut-être à la maison, à répéter notre texte, tu sais, c'est comme moi moi, en tout cas, j'essaie de le voir comme ça. Comme ben là, moi, c'est moi qui te rends un service en ce moment. là mmh. En plus, je suis pas payée pour mmh. venir ici. Okay. Avec tout le travail en amont que j'ai fait. Moi, en plus, je ne sais pas pour toi, mais je me fais systématiquement coacher. Ça me coûte de l'argent pour aller faire une audition. Fait que je fais. Mais ben là, c'est mon moment. C'est comme. Hmm. Mais après ça, je dis ça de même. Je ne l'applique pas nécessairement tout le... toujours. Là, il Moi, ah, bah, tous avoir les conseils moments... que je donne aux autres, je ne les applique jamais. Okay. <rire> <rire> jamais, 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 jamais. Ils font... Oh, Qu'est-ce que tu ah oh, Voici ce que je ferai en podcast voici ce que je ferai en humour. Je ne l'applique jamais. jamais. Ouais. C'est ah. toi qu'on n'ait jamais parlé de ça Non, c'est vrai qu'on n'a mmh. jamais parlé de ça. C'était Mais... comment vos auditions d'école de théâtre? de fait Saint-Hyacinthe, je pense, Karine? Ouais. École nationale de théâtre. C'est moi ça. J'ai des amis. J'adore parler d'auditions parce que j'ai des amis qui les ont fait. Puis je me souviens de l'effervescence, que le stress, euh, le choix de la personne qui te donne la réplique, mm -hmm. le souhait de rentrer à l'école puis de dire ah, sinon j'attends une autre année avant. De réaliser mon rêve. Ouais, euh, on dirait que chaque année compte euh, dans quelle cohorte que tu rentres. Euh, mm -hmm. Mais moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est le choix des euh, scènes. Est-ce que vous vous souvenez <laughs> quelle scène vous aviez choisi pour les écoles? Hey, moi, je pense c'était Oublier de Marie-Labelle. OK. Oh! Pis <laughs> Ces saison, étaient était lourd pour des, des vingtaines. Là. Ah, t'avais des débuts vingtaines, ouais, puis oublié ouais. de Marie-Laberge. Génial. Euh... Il y avait, euh, je pense que c'était Le songe oui. d'une nuit d'été. OK. c'est ça. Oui. je pense oui. C'est Shakespeare, ça, non? Non, mm -hmm. hein? Oui? Oui, oui. OK. Shakespeare et Marie-Laberge. Yo! <laughs> c'est le fun! <laughs> Il faut que tu montres Registre! Registre! Ouais. Mais ouais. je pense que oui, oui, oui. Je pense... Oui, je pense. On n'était pas là. Fait oui. Comment tu ouais. t'étais préparée? <laughs> comment ça s'était déroulé? Pourquoi ces choix-là? Oui. Euh... Ben moi, dans ce temps-là, je voulais encore danser. Je, je te disais tantôt, euh, hors d'onde. Oui. Que. que, que... Non, je sais pas dit ça. Oui, tu m'as dit que tu faisais de la danse. Oui, OK, oui. c'est bon. Que, que je voulais danser, moi. Oui. Puis mm -hmm. Je voulais m'en aller à New York six mois, faire mon papier Angela Simonson, puis euh, wow. apprendre mon anglais. Puis C'était vraiment ça. Ta mon... vie serait tellement différente. Tellement différente. Tu serais une queen de New York. Oui, ah. je parlerais anglais. <laughs> tu serais genre dans le roi lion tu serais un oiseau <laughs> non mais il y, y a quelque chose que, 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 que je voulais c'est ça New York m'a je sais pas ce que j'ai avec cette ville là il faudrait que j'aille voir là tu sais du monde qui va dans tes vies antérieures là qu'est-ce oui. qui se passe là tu sais, oui. il faudrait que tu ailles voir quelqu'un dans le crime organisé oui crime organisé qui est qui est un qui est organisé dans son petit garde robe oui. c'est ça <laughs> tu faudrait que, 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 que je vois parce que je voulais m'en aller là six mois c'est ça faire ça puis là j'ai une amie à moi qui m'a dit, moi, je vais faire mes, mes auditions dans les écoles. Mais je savais que je voulais jouer, mais pas là. Okay. Tu sais, là, c'était vraiment. Je dis, si je veux danser, c'est maintenant ou jamais. Fait que c'était dans mes. Oui, puis je voulais pas passer aux auditions. J'avais peur d'être refusée. Puis c'était pas. Mais elle m'a dit, viens me donner la réplique. Tu sais, j'aimerais ça. Fait qu'on commence les affaires, puis tout ça. Puis dans cette époque-là, on n'avait pas une zine. Mm -hmm. On n'avait pas d'argent. Fait que là, m'a dit, bien, pourquoi t'y pas tout de suite? T'sais, comme ça, ça va nous coûter moins cher de coach. Puis ça, ah! va, ça va nous... On va se splitter à dépenses. C'est ça. Fait qu'elle m'a convaincue d'y passer, mais en même temps, ça va me faire une bonne répétition parce qu'on n'est jamais pris la, pre la première fois. C'est mm -hmm. rare qu'on ait pris la première fois. Fait c'est ça qu'on a fait. On s'est pris un. On a engagé quelqu'un puis qui nous a aidé à, à on est allé à l'école nationale à la bibliothèque, checker les, les, les scènes, parce qu'ils ont plein de cartables là, qui peuvent aider les ceux qui veulent passer les auditions. Puis on a choisi ça parce que c'était ça servait bien les deux. Mm -hmm. Puis euh, voilà, on a fait... Elle a dû été prise, elle aussi? Elle n'a pas été prise. Oh! Mmh. J'ai souvent mmh. ça, le drame mmh. Moi, j'ai des auditions conjointes. Êtes-vous encore amie? Ben oui, full. Ah, okay, Mais génial. elle, après ça, elle a été prise dans une école de, com... de, de, de comédie musicale à Hollywood. Fait qu'elle est partie à Los wow! Angeles. Vous avez un... cha... euh, changé de rêve? Ça. Oui. Wow! <laughs> fait qu'on qu a passé les auditions. Puis là, finalement, euh, on n'a pas été pris à Sainte-Thérèse. Euh, j'ai euh, été pris pour les stages à, au conservatoire mais j'ai pas été pris. Puis quand j'étais allée voir, tu sais, mettre les noms dehors, mm -hmm. puis j'avais fait déjà les auditions à l'École nationale, puis j'avais pas été pris au conservatoire, puis dit, c'est pas grave, c'est à l'École nationale que je veux aller mm ». -hmm. Il me restait juste l'École nationale. Fait que là, j'ai passé les dernières auditions, puis là, c'est là que j'ai je... Non, mais j'allais juste dire une affaire rapide, mais ça, il faut s'imaginer, là, je suis pas sûre que ça fonctionne encore comme ça, mais à l'époque, en tout cas, quand mm -hmm. on faisait nos auditions, quand tu faisais ta première audition au conservatoire, il fallait que tu te rendes sur place là, juste que ce soit clair là. Tu... tout le monde se rendait sur place regarder la liste de noms de ceux qui passaient à la deuxième audition mmh. c'était tellement, tellement violent mmh. puis là il y avait des papiers là, imprimés là, comme sur les murs là. puis là tu cherchais ton nom si ton nom était pas là tu partais en pleurant puis si ton nom vrai. était là tu sautais devant tous les jo... tous les autres qui pleuraient t'sais. pourquoi ils font tout pour vous rendre complètement cinglés, Co les, les comédiens ils, oui, font le ils font tout ils font tout puis oui, oui, ça oui. À une audition quatre... gratis. Vas-y. Fais-le, là. <laughs> tu viens d'avoir un avortement, joue. C'est ouais, ouais, ouais. Ah ouais, tellement violent. Puis quand tu as cet âge-là, c'est ah, les, les premiers refus mal, que oui. tu vis dans ta vie, là, tu sais, Mais tu vas tellement violence. en avoir... ah, Moi, En je suis chanceux, Moi, j'avais beaucoup de refus de adolescence. Beaucoup de, <laughs> beaucoup, beaucoup de, beaucoup de gens m'ont dit non, Thomas. Non, Thomas. Non, Thomas. En, en même temps, tellement. C'est tellement une <laughs> vie de plus de refus que de. Oui. Oui, de, de mm -hmm. que, oui. Que de oui de, de, que, oui, que mm -hmm. Manny, il faut que ça commence en quelque part à. Mais tiens, tu sais, en même temps, je sais pas si c'est parce que je viens de la danse que Manny, c'est comme, tu sais, peu importe ce que t'as fait la veille, tu vas venir sur, faire ta barre de ballet puis tu vas, tu vas danser. On tu sais, recommence je sais, demain matin, là. Ouais. Tu sais, je sais pas si c'est ça qui m'a forgé, que Manny, je fais comme... Ben, ça fait mal, mais c'est là que ça commence. Il ben, ben... faut, faut que tu te fasses une carapace, puis il faut que tu t'y fasses, puis il faut que, que... Parce que sinon, ta vie, ça va être un enfer. Mm -hmm, un mm -hmm. enfer. C'est ça, c'est un métier où on passe beaucoup d'auditions pour oui. avant de... Il y en a eu un oui. là. Mmh. Puis toute ta vie. là. Tu sais, Mané, tu dis Mané, je vais taire le nom de l'acteur, mais qui m'a dit Moi, j'ai passé quatre additions dans ma vie. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Puis je fais comme. Ah, euh, ben, il, il est passé ah. ici, je pense que c'est Patrice Ometer. <laughs> Qui dit qu'il y, y a. Ben, c'est ouais, ça, je l'attends! C'est ben, bon wow. oh, ouais. hey, pas très parce qu'il il l'a dit. il l'a dit pour moi. Il avait déjà 4 sa vie, c'est il Et qu'on pas la même. Il a même dit, oh, ça, je veux plus solution, moi. C'est ça? C'est ça, oui, oui, je comprends. Mais je suis comme, ok, on n'a vraiment, mm -hmm. vraiment pas le même métier. On n'a vraiment pas le même métier. Puis je pense que toi aussi. On n'a pas, pas le même sexe non plus. Moi, on n'a pas le même. <laughs> ben, peut-être que c'est ça ou pas, mais oui, ben, peut-être Ok, mais pourquoi vous dites ça? Pas le même sexe, ça change? Ben c'est parce que, tu elle... Deux poids, deux mesures. Mm -hmm. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. C'est vraiment... Je pense pas que l'égalité est rendue... Okay. Non. Non, je pense pas non plus. Mais je pense d'ailleurs que c'est comme il y, a, il y a des études qui sont sorties, je sais pas quand. Là. Mais en tout cas, je pense que les hommes, en, dans, dans notre milieu, les hommes sont encore plus payés que les femmes aussi. Mmh. Mmh. aussi. Mmh. Ah, encore? Oui. Ah, ben, il y a des tables rondes souvent <laughs> qu'on voit passer, les actrices euh, mmh. hollywoodiennes également, ils en parlent aussi. Ah, c'est pas, pas juste J'ai oui. oui. oui, vraiment deux oui. poids, deux mesures. Oui. C'est encore ça. Mais là, ça a été scandaleux. Ils ont refait un tournage d'un film et il y avait je pense c'est Michelle Williams. Okay. Il y avait Michelle Williams, qu'ils euh, ont demandé, il faut retourner des scènes. Elle l'a fait, okay, fait gratuitement, mais Mark Wahlberg avait demandé le double de son cachet. Elle a dit, ben. Oui, je n'ai pas entendu. Tu as besoin bien. de moi? Ah, hein? Mark. Ça vient ouais? avec. Euh, ouais, ouais. Fait que, un, que le double de son cachet, puis l'autre, que rien. Ouais. Pas... C'est ça, tout ça, Puis ouais. je pense aussi que le, ça, ça se manifeste. Puis je ne parle pas nécessairement de Pat, là, je veux dire, évidemment, Pat, c'est comme. Mon, euh, c'est un des acteurs des les des... Plus talent... le plus talentueux au Québec. Je veux dire. A... Puis je suis très contente pour lui. Là, ceci mm -hmm. dit, c'est oui, pas une oui, jalousie. Je suis comme tant mieux pour toi, mon ami. Mm -hmm. dit, Mais peux... moi, je pense qu'il y a bien des chances qu'une que, que, qu femme ne reçoive pas ce même type de traitement. Mm -hmm. puis, je serais curieuse de savoir si Julie Le Breton a fait plus que quatre auditions dans, dans sa carrière. Je mm -hmm. oui. mm -hmm. ouais, ouais, Après sais, à, ça, peut-être. À, mm -hmm. à, à TV. Euh, un à, à TV, euh, un à TV égale, ça Je sais pas. Peut-être que c'est comme si on est plus gêné, on dirait, de. De T'arrives devant Patrice, ben je sais pas, devant Patrice Rabutain, on dirait qu'il y a comme une certaine, je sais pas. On, on est peut-être moins gêné d'une demande... je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais il y a certainement quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on devienne, qu'on fasse une différence à ce point-là. Mm -hmm. Non, mais c'est on est assis sur une, c est, c est des centaines et des centaines et des centaines d'années de patriarcat qui ben, font qu'aujourd'hui on. Ça vaut ce que ça vaut, mais ce que j'ai observé dans le podcast, c'est que. On a le. Tu te prends, tu te prends pour qui, toi madame, très rapidement. Ah mon On Dieu. le voit aussi au podcast. C'est une oui. femme qui est belle, qui a confiance en elle, qui a, a confiance, mm -hmm. puis l'exprime, ouais. elle va se faire rabrouter au centre pour qui tu te prends, voyons ouais, donc. Ouais, ouais, ouais. Moi, je travaille beaucoup plus fort pour le respect. Mmh. Ah, mmh. Moi je me, f... je, me... je me fais souvent le commentaire de me dire des fois je me il m'est souvent arrivé au travail de me dire ah ouais la manière dont je me fais parler en ce moment si j'étais un gars je me ferais pas parler de même mmh. il m'est vraiment souvent arrivé de ça m'est arrivé de voir ça aussi pour toi <rire> non, <rire> pas non mais peur. de faire comme ouais. ben voyons de, de, comme Puis je j's, ne sais pas pourquoi, parce que je suis quelqu'un de très respectueux. C'est comme mm -hmm. j'ai toujours été respectueuse. Puis il m'est arrivé très souvent de voir des hommes s'insurger sur un plateau de tournage, puis parler fort, puis péter leur coche, puis que tout le monde leur voue un respect immense, puis... Moi, mettons, de laisser traîner ma gourde d'eau puis de me faire taper ses doigts. Mm -hmm, tu mm -hmm, tu comprends? Mm -hmm. C'est pas un bon exemple, mais. mais... C'est pour montrer 100%. le deux poids, deux mesures. Dans... 100 Oui, oui, oui. C'est un bon exemple. ce que tu Parce que c'est pas très loin détaille. de la réalité. Moi, mm -hmm. est-ce qu'une femme, un gars qui pète sa coche, il fait, il a ah, motif, il prend le projet à cœur, soit ouais. une femme, oh, c'est une diva. Oui, oui, oui. Ouais. 100, 100%. Oui, ou tu sais, est-ce que c'est plus à nous aussi de pas laisser passer ça? c'est la façon de le dire aussi, de. Excuse-moi, mais non, ça, ne sera pas possible. Mm -hmm. ça ne sera pas possible que tu me parles comme ça. Est-ce qu'il y a un problème Est-ce que tu, est-ce qu'on s'écrase plus quand ces affaires-là arrivent mm -hmm. Est-ce que on a quelque chose à apprendre de ça aussi Mais est-ce que le prix est plus cher à payer aussi quand on s'affirme puis mm -hmm. qu'on met notre pied à terre puis qu'on fait ah oh, non je suis désolée ça ne sera pas possible mm -hmm. Et Moi je pense que oui Je pense mm -hmm. que tu. Le chemin est, est plus laborieux pour se rendre là. Après ça, c'est à nous à savoir quel sacrifice on veut faire pour ça. C'est ça, c'est à savoir, est-ce est que c'est à nous aussi à, à faire un bout de chemin là-dedans? Les femmes que vous jouez dans C'est comme ça que je t'aime sont justement assez fortes, des personnalités euh, variées. Je trouve ça vraiment intéressant, ces personnages-là, parce que souvent, on peut retrouver des archétypes féminins réguliers dans les œuvres, autant québécoises qu'américaines, et là elles ont des saveurs précises, elles ont des ambitions précises. Euh, C'était comment aussi pouvoir s'amuser là-dedans Ça me faisait penser à, à finalement les femmes qu'on trouve dans Michel Tremblay aussi, tu sais, mmh. une variété de femmes différentes avec des caractères différents, euh, puis justement des traits de personnalité qui peuvent que dans la vraie mm -hmm. vie, serait peut-être dérangeant. Ils sont pas toujours cohérents comme les vrais <laughs> gens. Les oui, gens sont pas toujours oui, cohérents. Oui. Donc, euh, donc est-ce que c'est. Est-ce que c'est le fun de mordre là-dedans dans un personnage féminin? Euh, dans ce, ce type de personnage féminin, là? Ben, ben oui, absolument. On en voudrait plein tout le temps. Mm -hmm. <laughs> non, mais ils sont très consistantes, là, nos, nos, mm -hmm. nos femmes. Là. Mm -hmm. Pour vrai, on, sont, ils a multicouches. Mais au risque d'avoir l'air d'une euh, femme hystérique qui s'insurge. On adore. <laughs> mais on adore. <laughs> on adore. <quand> <laughs> on adore. <laughs> euh, mais je suis prête à, à, à porter ce chapeau-là. Euh, je vais dire ce qu'on joue dans C'est comme ça que j'aime. Pour vrai, c'est fantastique. Là. Mais, euh, mais ça devrait un, un petit peu être la base. Mm -hmm. Ça oui. devrait un petit peu être ça qu'on fait tout le temps. Et c'est vrai aussi que très souvent. Les, les, les personnages masculins. C'est de moins en moins vrai. Il y a vraiment un changement, je pense, dans, le, dans la littérature euh, contemporaine. Euh, euh, puis quand je parle de littérature, je parle aussi de. de je, je mets là-dedans le cinéma, les scénarios, tout euh, scénari scénario ça. Je pense qu'il y a vraiment une grande évolution. Mais c'est vrai que très, très longtemps, la, les personnages complexes étaient attribués aux hommes. Mm -hmm. Donc les hommes étaient multiples. Ils étaient euh, gentils, méchants, trous de cul, mais aussi. Euh, doux et, mm -hmm. et euh, aimant. Mm -hmm. Et, et, et c'est comme. C'était plutôt rare de voir des femmes qui avaient des, 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 des personnalités multiples comme ce qu'on fait dans C'est comme ça que je t'aime. Mm -hmm. Dans C'est comme ça, ça que je t'aime, on est à la fois mère et, euh, et caïde mm -hmm. et, euh, et, et douce et complètement égomaniaque. Mm -hmm. Et tu sais, on, on est, on est multiple. Puis euh, je pense que c'est vraiment génial qu'on ait pu jouer ça dans C'est comme ça que je t'aime, mais je pense aussi que ça devrait être ça dans, dans tout ce qu'on fait ultimement. Mm -hmm. Pas juste pour les femmes, ceci dit, pour les hommes aussi, là, tu sais, Je pense que les hommes, on, le, on devrait toujours être multiples aussi dans, dans la littérature. Mais, euh, mais ouais, je voulais juste apporter ce... Mm -hmm. ce cette petite nuance hystérique oui. dans, la, dans <laughs> une conversation. C'était oui, pas super. Hein? Ouais, ouais, ouais pas super. Ça, c'est de l'hystérie. On a, tout... a bon. passé au travers, ah, tout oui. le monde. Est-ce que tu regardes -tu <laughs> ça quand, quand mettons, tu, 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 tu lis des scénarios ou quelque chose? Est-ce que tu, tu, tu regardes plus ça maintenant? Ben oui. Je pense que oui, oui, complètement. Complètement. Mais... si c'est pas là, est-ce que tu essaies de l'ajouter? Excuse-moi, je pose des questions. Ben non, non c'est pas parfait. intéressant. T'essaies-tu de. de... C'est ça, de, de la rendre blanc ou noir, je la mère mm -hmm. deux, je fais ça, 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 mais mm -hmm. est-ce que tu essaies d'ouvrir ça, ouais. justement, personnellement? Oui, oui, 100 100 Mais euh, je pense que je n'aurais pas pu le faire avant, mais euh, maintenant que ma carrière est mieux établie, c'est plus facile d'établir d'avoir un dialogue aussi avec l'auteur puis avec mm -hmm. le réalisateur, chose que tu ne fais pas tant quand tu, quand tu commences ta carrière. Fait que, oui, c'est souvent une affaire que j'aborde, puis après ça. Il y a tout le travail qui, pour un acteur. Il y, a, il y a ce qui est écrit, mais il y a tout ce qui n'est pas écrit. Je pense qu'on en avait parlé dans, uh -huh. dans le podcast qu'on avait fait ensemble. Mais tout ce qui est entre les lignes écrites, c'est des choses qu'on peut créer. Puis il y a des choses qui ne sont pas au scénario qu'on peut... Je veux dire, on peut étoffer nos personnages individuellement euh, aussi dans notre manière de, de les travailler, tu sais. Mm -hmm. Mais des fois... c'est euh, du moins. Mm -hmm. ben oui. Ou fois, du moins, c'est ouais. ça, tu sais. Mais je pense que oui. Moi, moi en tout cas, j'aborde toujours... Maintenant, un personnage en me demandant, ben, c'est quoi sa faille, puis c'est quoi sa, c'est quoi sa force. Puis il faut que les deux soient, il faut que, il faut que je travaille sur les deux fronts. il faut qu'il y ait les deux. Ça peut pas être unidimensionnel. Mm -hmm. Mais celui que as fait dans Avant le crash aussi, c'était ça, je trouvais. Ouais. Il était comme. Euh, ouais. Il y avait une femme de front, mais qu a une qui est grande, vulnérable, grande, grande qui a est... une souffrance en dessous aussi. Ouais. ça devait être super. Ouais. Mais il y en a plus beaucoup des rôles qui sont vraiment juste comme comme unidimensionnel, ouais. mm -hmm. c'est de moins en moins vrai. Là. Mais je trouve ça intéressant aussi de retrouver ça, justement, je trouve que c'est tellement important, ça montre à quel point l'art, c'est important, parce que je trouve que, tu sais, on est à l'ère des réseaux sociaux, où est-ce qu'on, on, justement, on, on traite les gens comme des êtres unidimensionnels. Par exemple, on va voir mm -hmm. quelqu'un émettre un commentaire ou une réaction ou un contenu X, mm -hmm. puis on va se dire « cette personne-là est de même » elle est juste fâchée, ou elle est juste de même, elle est lui, fine, elle c'est <laughs> la fine, puis elle c'est la pas fine, puis lui mm. c'est c'est ça. Pis je trouve ça le fun que justement, quand on se catapulte dans la réalité, ou sinon dans l'art qui imite la réalité, on retrouve des gens avec des personnalités dont oui, elle peut avoir une mauvaise journée, mm -hmm. mais au fond, avoir un bon fond, puis elle fait ça pour protéger mais, ses enfants. Ça tu représente <laughs> la vie, puis la vie, c'est ça. Mm -hmm, Tout, mm -hmm. On est toutes, ça je dis je suis grise, mais tu sais, la vie, c'est gris. Mm -hmm, est, mm -hmm. est, on est toutes de, de plein de contradictions. Mm -hmm, mm -hmm. On est toutes. Euh... C'est pour ça que des fois, quand on a deux semaines pour faire un personnage, c'est compliqué. Mm -hmm. C'est compliqué ouais. être quelqu'un d'autre. <laughs> c'est vrai, c'est compliqué comprendre un être humain mm -hmm. parce que c'est plein, plein, plein de facettes. Mm -hmm. puis quand, Puis nous, notre job, c'est de recréer la vie mm -hmm. et recréer un être humain dans toute sa complexité. Fait que en tout cas c'est ce que j'aime moi voir là, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'après ça quand t'as pas beaucoup de temps pour le faire t'es mais c'est ça, c'est mm -hmm. pas la vraie vie. <rire> <rire> comment dans, Quand tu interprètes un personnage, quand une scène débute, arrête, on reprend la scène. Comment vous vivez la transition entre le personnage et vous-même, l'acteur qui contrôle ce personnage-là Je m'explique là, je, je suis une fille de pourcentage mais genre ton ton personnage prend combien de pourcents de ta, ta tête et ton cœur parce qu'il faut que tu le contrôles mais il faut que tu t'oublies comment vous comment mmh. comment vous apprenez ça à l'école ou j'imagine ou ça se développe avec le temps ça prend un certain talent il y a aussi... quelque chose pour moi que je trouve de fascinant de s'oublier se laisser aller dans un personnage revenir en tant que toi-même prendre les notes du réalisateur repartir dans le personnage euh, ouais, une fois j'avais entendu ça c'était Hitchcock qui parlait de ses comédiens le film qui était tourné à Québec là. Puis euh, il m'a dit, je comprends pas pourquoi je regarde en haut. Puis je lui ai dit, il faut que je coupe. Fait que là, je <laughs> sais pas comment. Ouais, mais je sais pas pourquoi ouais, je regarde en haut. Mais moi, faut, mon montage, c'est le même. Fait que le, là, pour, comment tu te sens bien. par rapport à ça, je m'en cas regarde en haut. <laughs> puis moi, je vais montrer ouais. de quoi en haut. Je comprends mmh. que ton personnage n'intéresse intérieur, ne le sens pas, mais mon film marche Moi, j'ai besoin de ça. Oui, oui, ouais, puis tu sais, des fois, c'est parfait, là. Mm -hmm. Tu sais, ouvre la porte. mais ben, J'ouvre la porte. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça non plus. Oui, oui, parce que là, c'est juste un petit plan pour rentrer Oui, puis il faut accepter ça. Sinon, on t'aime pas comme ça, mais à la télé, il y a une technique qui va avec ça. Puis il y a une vision qui va avec ça. Puis un montage qu'il faut qu'on comprenne aussi. Il faut laisser la place à ça. Pour répondre à ta question, moi, je pense que, en tout cas, pour ma part, je pense que je suis jamais complètement le personnage. Je suis toujours moi qui qui vit la situation du personnage, je mm -hmm. pense. Puis je pense que c'est là que je suis à mon meilleur parce que c'est là que j'ai une liberté. Je sais que quand j'essaie de faire quelque chose qui est loin de moi, quand j'essaie de... Euh, ouais, quand j'essaie de, de... Quand j'ai en tête un résultat plutôt qu'une qu un, démarche, mettons, je passe à côté de l'affaire, là, tu sais. Mm -hmm. Puis la seule, la seule manière pour moi d'être sur mon X, c'est c'est de revenir constamment à, à moi puis c'est ce qui fait aussi qu'on m'engage moi ou qu'on m'engage mm -hmm. Marilyn c'est mm -hmm. parce que Marilyn est Marilyn tu sais fait que euh, fait que j'ai l'impression que c'est j'ai l'impression que en tout cas pour moi j'ai l'impression que je suis tout le temps c'est tout le temps très très proche de moi mais c'est juste qu'après ça moi je navigue dans des états qui sont je... qui t'appartiennent pas euh, ou, ou qui, bah, qui m'appartiennent pas dans ma vie à moi puis qui sont qui peuvent être, qui peuvent être euh plus sensible que dans mon quotidien à moi, mm -hmm. mm -hmm. Toi, tu le tu, vivais... Tu songes, hein? Oui, mais je trouve ça intéressant, cette discussion-là. <laughs> mm -hmm. Toi, tu le prends comment? Ouais, c'est ça que j'essaie. Je, <laughs> comment je le prends? Bien, moi, ce que j'admire de Karine, c'est vraiment, tu dans, dans son jeu, là, Non, vrai. mais c'est vrai. T'sais, moi, j'apprends beaucoup des autres. Puis, tu sais, j'ai changé j'ai changé beaucoup de façons de faire, puis d'approcher. J'ai appris comment je, je fonctionnais aussi, tu sais, mais... Parce que Karine, dans un... elle est libre, tu sais. Elle est vraiment... Elle peut faire plein d'affaires à, à des choses qui, qui sont... Elle est très créative dans sa façon d'être, puis de vivre, puis de... Ce qui fait que tout est super naturel, puis sais super habité. Moi, je suis plus scolaire. Mm -hmm. Tu euh, je suis plus... Là, j'essaie de détacher ça, tu mais ça, ça va avec la confiance aussi. Ouais, c'est une discussion ouais. qu'on a déjà eue ensemble, ça? ça? Oui. <laughs> non, mais c'est... Oui, mais oui, c'est vrai. Je t'ai déjà dit ça. Mais j'admire beaucoup ça parce que c'est ça, mais, mais je pense que, tu moi, ça va plus avec ma confiance que là, ça s'en ça va de mieux en mieux, là. Mais, tu sais, je ne suis pas, pas un être que... A... Je suis pas quelqu'un que... A... Trop de confiance. Tu n'as pas des grosses épaulettes pointues Tu <laughs> des grosses tu épaulettes dans comme pièce. un Ninja Turtle. <laughs> comme le méchant du Ninja Turtle. Comment est-ce qu'il s'appelle Je ne sais pas. Maintenant, ça, c'est Splinter. Ah, qu'est-ce que c'est Mais euh, moi, ce qui fait que ça m'amène, tu sais, je veux bien faire, je veux bien rentrer dans les consignes, je veux bien. Euh... Fait ce qui fait de moi quelqu'un de plus. Pas rigide. C'est pas ça que je veux dire. Non, parce que, que c'est vraiment mais... pas ça qu'on voit dans ton jeu. Vraiment pas. Il y a il aucune faut... rigidité dans ton jeu. Mais moi, il faut que je sois 100 sûre de ce que je fais mm -hmm. mm. pour après ça trouver ma liberté là-dedans. Mm. Tu sais, il faut vraiment que je. je... C'est ça, il faut que je... peut-être pour ça que les auditions, tu sais, je reviens, mais c'est peut-être pour ça que les auditions, je, je suis moins habile parce qu'il faut que je me sente aimée pour ouvrir. Mm -hmm. Alors que là, je me sens complètement jugée puis je sais pas si même ou pas. Mm -hmm. c'est de moi Mais ça, ça va être la confiance au, ouais. au fur et à mesure. T'sais. Puis là, on dirait que je, je fais comme, bah, je fais ce que je peux, puis après ça, euh, il mm -hmm. euh, qu tu qu'offre. À un moment donné, il faut que tu me, enfin, que que tu me année, le le ça ouais. fait que, mais, mais je pense que c'est ça qui me nuit beaucoup. Il faut que j'ouvre quand je me sens en sécurité. Mm -hmm. fait que dans le jeu, je pense que c'est pareil. Il faut que je sache exactement mes affaires, puis je suis quelqu'un qui répète. J'aime ça la répé de répéter parce que là, un coup que je sais ça, je peux, je peux arrêter d'y penser. Ouais, Et puis là, je, je trouve placer ma Placer le verre, d'ouvrir la porte, ça va venir tout seul. C'est ça. Oh, en cinéma puis en télé, pouvez-vous répéter? Bon, on place beaucoup les choses. Bien, de moins en moins, euh, on a moins en moins de place, là. Tu sais, il faut, faut avoir les, les choses vite, mais... Euh, mais en cinéma, beaucoup, on répète oui, beaucoup. Oui, oui, on répète beaucoup, mais... Ah, c'est comme ça que j'aime aussi, on répétait beaucoup. Oui, oui, on répétait. Tu on place oui, les choses, puis... Parce que quand on le demande aussi, c'est ça. Tu mm -hmm. oh. vois que quand on le demande, ah, là c'est possible. Oui. Mais je suis pas sûre que les comédiens qui font les quotidiennes de Fabienne diraient ouais. la même affaire. Ouais, je non. pense que ça dépend <laughs> vraiment du produit. Ouais, Il y euh, oui. en a Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais, <laughs> mais, euh, 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 faites le live au euh, niveau. Faites le live. C'est vrai. Il y, y, y a des comédiens qui ont commencé à développer des techniques pour pas que la répétition soit filmée sur les shows de Fabienne. Ils tiennent leur, on appelle ça des sides. Là. Ils tiennent leurs textes dans leurs mains pendant la répétition. Pour être sûr que comme ça, ça peut pas être utilisé. Je oh, clever. Je mais oui. gardaient leur masque à l'époque de, 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 mm -hmm. de... la. Ouais. Parce ouais, que c'est normal ça. de ne pas l'avoir du premier coup. Ouais, oui, c'est ça, là, oui. qu'on est en train de mettre un standard que si on ne le met pas du premier coup, on le, si on ne l'a pas du premier coup, on n'est pas bon. Oui, mais non. C'est pas ça. C'est ça, tu sais, dans... dans c'est la première fois qu'on se dit le texte, c'est la première fois qu'on est dans le décor, c'est la première fois qu'on me demande, à ce mot-là, de faire ça comme ça, de penser, de te regarder là... De... Ouais. Du, ça prend du, de la répétition. Puis après ça, d'être incarné à 100%, puis d'être bon. C'est normal de devoir le refaire et le refaire. C'est normal de ne pas l'avoir du premier coup. Mmh. Ça ne fait pas de toi un pas bon acteur. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins habile. C'est normal. Mmh. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il faut et... se laisser le... Au même titre de se laisser le droit de ne pas réussir une audition, par exemple, aussi. Là. C'est okay. ça, ouais. c'est que Mané, quand tu es un danseur, t arrête, t arrête, t arrête, tu y vas en studio là, pour avoir tes trois pirouettes, il faut que tu les refasses en ta on peut pas dire ta Tu sais, Faut que tu y retournes, il faut que tu le refasses, faut que tu répètes, faut que tu répètes, puis ben, Manin, tu vas l'avoir. Mm -hmm. Mais c'est la même chose dans le jeu. Des fois, des fois oui, ça va mieux, puis tout mm -hmm. ça, mais je me. Je m'emballe, me... Ouais. Oui, en fait mais non, je m'éloigne de la question. Mais tout pour dire que moi, je pense que je reste vraiment concentrée. Oui, t'sais, Marilyn et... Je pense que j'ai de la misère à... Puisque j'en vois plein, là. La tête qui finit, ça arrive, ça... Moi, il faut que je reste <laughs> dans ce que j'ai. Mais, mais, sure. mais, mais puis quand c'est 3, 2, 1, action, ils reprennent, puis ils rejouent, puis ils sont aussi dedans, puis mm -hmm. tu sais... Moi, si je m'éloigne, je, je suis longue à revenir. Fait que j'ai l'impression que plus je reste dedans, plus je peux aller loin. Mais mm -hmm. si je peux me permettre, en plus de ça, avec, avec un rôle comme si on prend Huguette, C'est comme ça que je t'aime, là... T'as tellement, t'avais tellement de, tu portes le show sur tes épaules. T'as beaucoup de scènes dramatiques, même si c'est une comédie, énormément de scènes dramatiques. Huguette, c'est un drame mmh. qu'a vie du début à la fin. Et ça, ça demande de la concentration. C'est pas comme faire l'humour. L'humour, là, à un moment donné, c'est vrai que tu peux décrocher, puis tu et puis veux, revenir. L'humour, tu veux, et... veux qu'elle soit lousse? comme, oui. la, comme ouais. like moi, par exemple. Comme, comme like moi, oui. tu sais, on pouvait on décrochait, oui. Je veux dire, quand tu joues un drame et que t'as une scène, je sais pas si vous avez vu là, la saison 3, la scène formidable où Marilyn joue avec Yves-Jacques, puis euh, elle est devant le miroir, puis il lui parle, puis euh, dans la scène, c'est un seul plan, puis dans la scène, tu vois Marilyn toute son émotion qui monte, puis elle se met à pleurer. C'est vraiment, vraiment comme une grande, grande scène là, mm -hmm. de, de télé, de, de cinéma même. Mais ça, là, tu peux pas, tu peux il Faut que tu sois connecté puis il faut que tu sois concentré là. Tu, sais, tu peux pas ne tu non, je peux pas. Non peux pas les genre tu l'as like avec les filles avant puis euh... ouais, je suis restée euh, dans non. mon miroir. Ouais, ça. On <laughs> parlait on parlait un moment donné puis euh, on a réalisé qu'on déconcentrait la scène aussi. Tu te rappelles tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi si Sophie, de des moi, Sophie on mangeait des peanuts <laughs> en arrière, on avait juste une petite entrée à faire puis on, on réalisait pas à quel point c'était tough pour Marilyn ce qu'elle avait à faire puis on était. <rire> <rire> je <rire> répondais pas je pense. Je répondais tu Moi des fois je répondais. Non puis à un moment donné on a <laughs> eu un regard Or, on, que... a eu, on a vu Huguette the Killing Bitch nous regarder <rire> <rire> comme avec un regard de tueuse, puis on a fait Oh shit, ah oh oui, ok, elle a quelque chose de tough en ce moment, faut qu'on la laisse se concentrer. <laughs> elle avait bien raison. Non, mais c'est des affaires, c'est ça. Mais tu sais, je suis de même, fait que je me prends de même. Mm -hmm. C'est comme j'ai besoin de. de... Puis j'aime ça trouver des petites affaires autres que moi aussi. J'aime ça me dissocier, je pense. Mm -hmm. Autant que toi, t'aimes ça t'approprier. Moi, j'aime ça faire comme. C'est pas moi. Mm -hmm. Ça vient de moi. Mais avant, avant mettons, je regardais. C'est comme s'il fallait que je prenne quelqu'un de l'extérieur, puis je, je le mettais comme dans moi. Puis là, c'était vraiment plus laborieux. Puis, mais là, j'essaie de faire. Je pars de moi et je trouve des choses qui appartiennent à elle. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que c'est deux façons de différencier. Mais je pense que j'aime mieux, je pars de moi, parce que c'est ça, tout part de nous. Mm -hmm. Puis je trouve des choses qui appartiennent, ce qui va créer ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je vais se concentrer dans. Hey, mais puis tu sais, c'est comme ça que j'aime, c'est que c'est technique, là aussi là. Ouais. les carabines les affaires. les gars ouais, les oui. pompes tire pompe Non non non, j'ai comme hey, ok euh, mais là c'est comment les... tenir des armes <laughs> ah, est-ce que c'est la première de votre vie est-ce que mais oui Moi, okay. ouais. Ouais, ça va être la dernière je pense vous êtes pas dans le crime organisé non d'accord c'est c'est pas quelque chose que j'aimerais faire comme hobby là je suis dans dans un dans un truc et comme ça j'ai Adorer ça. Mais faire ça dans ma vie, elle est une sorte de Il y, y a quand même quelque chose de vraiment powerful dans une arme. C'est <laughs> comme, c'est lourd, ça fait du bruit. C'est comme, je sais pas, c'est un peu comme quand tu montes dans un char de course, puis que tu appuies, tu pèses, ça sus puis que là, ça part, puis tu fais Ah ouais, OK, c'est ça la force de cette machine-là. Mm -hmm. le, le gun, ça a un peu cet effet-là. Là. Tu fais Aïe, aïe. OK, c est, c est, on se sent très puissant. Mm -hmm. Avec un fusil dans les mains. Oui, ça donne un pouvoir que tu. Moi, j'ai pas. le pouvoir que tu as, je l'ai pas aimé. Tu j'ai le pouvoir de vie et de mort oh. sur quelqu'un. Puis ouais. tu veux pas cette responsabilité-là? Ah, moi, j'adore ouais. ça. <laughs> ah, <Ouais>. Tu vois? ça, <laughs> au mon amour? Euh, on avait une carabine à palette chez nous quand j'étais. C'est pas pareil, ma chérie. <laughs> <Elvie. rire> tu peux tirer des canettes. Hein, je comprends. Je suis que ça peut faire mal à quelqu'un, une petite carabine à palette. Euh, mon frère a déjà, sans fin exprès, tué un oiseau, puis ça nous a chamboulé pendant des mois. Ben, je comprends. Oui, donc. on est allé l'enterrer au parc. On y avait fait une petite croix avec des, euh, des... Avec <laughs> des, des, des baguettes. Ah. Des baguettes de mets chinois. On bien avait bien. écrit RIP. <laughs> oh, C'est quand même oui. oui, on anecdote, avait fait une sépulture. Ma relation avec les âmes, anecdote assez fucked up. À l'époque où je prenais beaucoup de drogue, mm. puis je me cherchais, j'ai un ami, on <laughs> traînait dans un bar qui acceptait que les mineurs y aillent. C'est ce genre de bar-là. Ouais. Et il y avait -tu un. Tu le pile <laughs> Moi, je travaillais là, puis j'étais mineur. Waouh! <laughs> Extraordinaire! <rire> Félicitations! Bravo! Vive le. J'allais là aussi! Waouh! Peut-être es que tu m'as servi! Ah, c'est génial! Ça se peut! Et nous, c'était près de la station Henri-Bourassa, c'était extraordinaire. Oh oui. Et il y avait un bureau en bas. Puis cet ami-là, il voulait pas vivre. Puis il s'est dit, fuck it. Il est descendu en bas. Okay. Puis une fois, il s'est dit, il fouille dans le bureau. Il s'est dit, j'ai trois minutes, faut que je fouille dans le bureau. Puis il a trouvé un revolver. Okay. Puis il l'a gardé. Puis une fois, dans un parterre, on fumait un joint. On était dans son sol. Puis on était tout gelé. Puis il a sorti un gun. Puis il a <laughs> mis ça à la tempe. Ah! Puis il a dit, on vit quelque chose, voilà. hein, les gars? On vit quelque chose pour la toute fête. C'était super étrange, là. Ouais. Oh my là, god! Ouais. Il n'a pas il a pas tiré, Il l'a resserré? Non. il hein? 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 Il, hein? -il était-tu son hein? gars? On ne l'a jamais su. On ne l'a jamais su. Est-ce que vous n'étiez pas non plus, vous n'avez pas, plus... pas checké ça? Ouais. Vous n'avez jamais touché à ça? Voilà, c'était très étrange, ah. pour ouais. moment. On dirait la scène, vous, vous souvenez-vous de la scène de la roulette russe dans ses comptes? Oui! La vache! Oui! C'est en fait puis. Euh... Oui! quest Ben, le fait. Oui, moi, j'ai le sa C'était genre sa blonde russe. Julie Dupage. Oui, mais elle jouait comme ouais. de l'Europe de l'Est, là. Puis elle était bien, genre... Wow, Gangster! Gangster! Puis le man elle était comme, on va jouer à un jeu, puis c'était la roulette russe. La fin de l'épisode, on ne sait pas si, si tu pas, une balle ou pas, c'était fou! Wow. Ouais, elle se fait ah, à oui. rire comme une déchaînée oui. Oui. après, là. Oui, quel personnage incroyable. Ah <laughs> oui. Non, <mais> c'est vrai. <laughs> vous vous rappelez pas, qu'on avait peur des communistes? Oui. Oh mon Dieu. Ah, communiste, ces communistes, ces gens-là qui ont tout le temps des âmes sur bien leur bien temple. Oui, ah, oui. Ah ouais. mm -hmm. oh, non, c'est ça. Mais ben, moi, je me souviens, ça m'avait marqué parce mais que, que j'habitais à Laval, puis il y avait une maison proche de chez nous, et ce qui filmait des scènes de lancé-compte. Mais dans mon quartier, il y avait aussi des mafieux. Puis il y avait un vrai mafieux qui avait été retrouvé mort dans la piscine, dans la maison de lancé-compte. On déconne, ah, mais elle, elle, elle vit un peu oui, la réalité oui, de vos oui, personnages, attends, elle vient ça, de Vimon. Fou, là, je sais, je, je sais, je sais. Elle, elle, elle vient ouais. de bon fait qu'elle vit un peu ce que, ce oui. que vous vivez. Oui, bien, c'est oui. ce qu'on vit. Euh, oui, bien, les personnages. Vous êtes oui. 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 bon, 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 correct là. Ce que oui. vous avez vécu à cinq fois, vous oui. vous souvenez? Oui. <laughs> <laughs> mais moi, pour venir à la scène, je me, je me souviens d'avoir vu? vu Patrick Yvon en bobette dans cette scène-là. Puis de me dire... Oh, qu'il est beau. Genre, un jour, j'aimerais ça le de Il rencontrer. Il est tellement beau, Patrick. Je savais qu'il allait dans de ses comptes. Un jour, j'aimerais ça comme le rencontrer. Puis là, bam, tu baises avec. Dans... C'est comme ça que je t'aime. Puis j'ai les Frenchies dans, dans... dans Vertige. C'était mon chum <laughs> dans Carles et Max. Ben voyons T'sais, donc. Je travaille full avec. Tu sais, des affaires de même. C'est donc ben mmh. C'est extraordinaire. Ma question favorite que j'aime poser à des comédiens. Avez-vous eu des crushs de plateau? Ben, sûrement. Moi, Mais oui. Je serais mal placée pour dire non, moi, là. OK, oui, je vois oui. Oh, t'as-tu rencontré l'amour sur un plateau? Rencontré l'amour sur un plateau. C'est ça? Mais attends, on a toutes des petits. Mais là, j'en ai plus parce que. Parce que c'est ça. Moi, je regarde dans l'air. Pourquoi je regarde dans l'air quand je parle? Comme si c'était dans le bon vieux temps Dans le bon vieux temps Jadis. Des petits clics de plateau, oui. Oui. Moi, j'ai des clics de plateau, mais c'est jamais avec les acteurs. Avec qui? Ah, est avec genre les groupes. Les techniciens, les, les, techniciens, oui. euh, <laughs> les cantiniers. <rire> <laughs> tu tombes en amour avec des cantiniers, c'est dans un <laughs> coup. Mais mais avec une épicurienne. Avec. Karine. Cantinière, cantiniers. Waouh! Mais, mais... Euh, non, jamais de croche de plateau avec un, avec un acteur, jamais. Okay. Mais je pense pas, moi non plus, acteur. Je Patrick, mais tu sais, c'était pas... Euh... Mais non, je comprends. Moi aussi, je que... me souviens de Patrick dans ces Tu euh, sais, c'était pas... Euh... Non, ouais. Acteur, non plus. Mais des camps, des c'est éclairant, ça. Est-ce qu'un est <laughs> qu premier, est est qu premier baiser à l'écran, c'est aussi stressant qu'un premier baiser dans la vie? C'est-tu ouais. -ce ouais. le même comme « Oh my God, ça y est, c'est la première fois que je vais franchir quelqu'un à l'écran. Qu que, comment ça va être? Qu Qu'est-ce que je fasse? » Es comme, tu l'as tellement, je... <laughs> tellement fait à l'école de théâtre que tu es, que es rodée, j'imagine. Dans les parties, ah oui, Non, moi, les... Moi, je, moi, je quittais. Quand ça commençait à se frencher, je quittais. Ah oui? Oh, ouais. Ouais, okay. Oui, je suis plate de même. Ça, ça commençait à. Oh, je, je trouvais ça innocent. <laughs> fou, <laughs> je suis là. Faut vous frenchez toutes. Ou je suis prude puis plate, là, peut-être. Oui, je suis peut-être un peu prude et plate. Mais, mais ouais. fait que c'est pas là que j'ai pratiqué. Non, non c'est pas Oh. <rire> <rire> est près des plats, des gars. On a tous un party de théâtre, le fun. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Mais oui, qu'est-ce que tu vraiment hypocrite. Petite... Où ça... oh, tu le caches, non, correct? Ça, ça, me ton me... Ça, ça me revient, là, je dis ça, mais c'est parce que quand ça... Quand c'était at large, quand c'était trop en groupe. Là, c'était là que je suis tu Je groupe. Je comprends. <laughs> <laughs> c'est ça mais après ça je vais me taire pour le reste ouais. <laughs> non moi les, les scènes de sexe puis de frenchage, là, pour moi c'est vraiment technique comme là j'ai une tournée deux femmes en or puis j'en avais j'en avais là, de la nudité mmh. puis du sexe puis tout ça puis euh, euh, c'est pas ça, pantoute, qui me rend nerveuse et ou qui... Euh, qui euh, T'es ouais Non, pas du tout. C'est chorégraphique. Euh, encore plus maintenant qu'on a des coordonnateurs d'intimité sur un, sur un plateau qui mm -hmm. rend... C'est toute... quoi, ça, s'il vous plaît? Oui, c'est récent aussi. C'est ça qu'on ouais, comprend. Oui, c'est récent. Mais que... ouais. non, ben non, mais c'est quelqu'un qui, qui est là pour superviser... Euh la nudité, à savoir si les acteurs sont à l'aise, à savoir si tout le monde est consentant ce, avec ce qui nous est demandé, à savoir si euh, on peut, on peut euh, faire les choses. C'est une comparaison pas. boiteuse de si les cascades, il y a des experts des cascades ouais. puis tout ça bien. Maintenant eux sont plutôt Experts d'intimité. Ouais. Oui, oui. c'est une belle façon de ah. voir ça. Tu savoir aussi comment on peut euh, pas maximiser mais tu sais comme ah regardez si on fait ça comme là ça devient très c'est très mm -hmm. technique. Mm -hmm. Si on fait ça comme ça c'est un chorégraphe. C'est ça, c'est un oh. chorégraphe. Versus c est, c est la un, caméra aussi. Euh, C'est-à-dire que ouais. ça joue de, sur plusieurs fronts, mais ça fait de la chorégraphie. Fait que, mettons, moi, j'avais une scène de, de sexe avec Arnaud Soli dans Deux femmes en or. Puis elle a fait... Euh, elle, on a une répète avant, puis elle dit... On, on, on regarde la scène, on, 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 on développe la scène avec la réalisatrice, avec Chloé Robichaud. Puis là, elle est là, puis elle note tout ce qu'on se dit. Fait que là, il n'y a pas de surprise quand tu arrives sur le plateau. Il n'y a pas de moment où Chloé a fait, ben, finalement, Arnaud, j'aimerais ça que tu nous montres ton prépuce. Mmh. C'est déjà comme planifié qu'il ne nous montre pas son prépuce. C'est dommage, c'est on... un très beau prépuce. <rire> <rire> tout le monde en parle, je le sais. <laughs> <laughs> puis fait, fait, premièrement il y a ça il y a comme l'aspect comme protéger la le les limites de, des acteurs fait que ça c'est une, une première affaire qui est importante parce que nous, on est deux femmes qu'on s'entende de 40 ans, mais quand t'as des jeunes actrices de 15 ans, 16 ans qui jouent pour la première fois à la télé, qui sont intimidées, qui doivent faire des scènes de sexe avec des messieurs oh, de, sur, de 50 Sur, notre ans, plateau, on, mais pas sur notre plateau, mais sur le podcast, on s'est raconté ça. Un comédien, son premier baiser, c'était sur un film. Ben, ben, ouais, tu vois, tout ça, ça, ça là. Il s'est ça... fait dire, aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Oui, ouais, ben, c'est ça, exactement. Fait que C'est vraiment là pour protéger comme les besoins, les droits des gens. Des fois, quand tu sur un plateau, ça va vite, tu es intimidé, tu pas. Es, tout d'un coup, t'es es trop gêné de dire devant tout le monde que t'es pas à l'aise de faire cette affaire-là, fait que tu fais juste le faire. C'est tout ça. Puis après ça, il y a l'aspect chorégraphique. Moi, elle me disait carrément dans ma scène de sexe, mettons, elle disait, « Mets ton poids sur ta jambe gauche, ça va être plus élégant, parce que là, la manière, la, la caméra est placée comme ça. Ah oui. » Tu sais, c'est vraiment le... Je peux pas croire qu'on a jamais travaillé avec des coordonnateurs d'intimité avant maintenant, mm -hmm. c'est fou. Mm -hmm. En tout cas, moi je l'ai vraiment vu la différence surtout dans des vraies scènes de sexe, tu sais. Ça fait toute une toute une différence. Wow. Et pour les acteurs qui viennent comme Arnaud qui vient une journée tourner mm -hmm. Sur le film, mm. c'est dégueu, là. Tu sais, t'arrives sur le plateau, tu connais pas les 100 personnes qui sont là, mm. tu viens te mettre nue. Euh, c'est comme, c'est hyper, ça peut être hyper intimidant, tu sais. Fait que là, le coordonnateur est là pour te protéger, s'assurer quand les techs, t'es couvert, que euh, t'es à l'aise. Ils ont, que... ont toute une panoplie de de, 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 de cache-sexe aussi, puis de la façon mm -hmm. des puis de tout. Fait que si ça, ça fait pas ton affaire ou que ça tient pas, une autre affaire. Puis tu sais, ils s'assurent oui. vraiment que tout est. Ouais. Oui. By the way, on n'a pas 40. <laughs> je sais dit, dit. On n'a vraiment pas 40 ans. J'ai dit ans. 40. Tu as oui, dit deux femmes de 40 ans. Ah mon Dieu, non. On a définitivement. On a, définitivement -nous en, temps nous on a reste, entre, entre 19 et 39 ans. Voilà. <laughs> nous n'avons pas 40. Ans, non. Eh <laughs> hey, en parlant. Moi, je, je vais vous dire un secret. Magnifique. Oh, on aime moi, ça, les sacs. <laughs> Salasse. Non, non, c'est pas tant. Ah. Euh, non, c'est juste ah, que tu dis ça ne se faisait pas vraiment, mais. Moi, ma première scène de nudité c'était dans l'affaire du monde ok oui ah. premier gars que j'ai embrassé sur un tournage c'était Patrick Yvon. Ah. incroyable j'en reviens pas même <laughs> tout est dans le tout hein? oh. vertige puis il me lâchait là puis genre fallait qu'il me poigne qu'il m'embrasse puis là, il me lâchait dans ça faisait couper puis là, il me laissait dans l'escalier puis il partait vite quand même ah. c'était comme moi <laughs> j'étais <laughs> 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 J'aimais comme ça, tu sais. J'étais là « OK, <laughs> mais... » Tu sais, lui, c'était comme... Il a fallu que j'apprenne à être professionnelle oui. là-dedans. <laughs> oui. Mais l'affaire du monde, c'est... Euh, j'étais complètement nue. Puis on faisait l'amour avec, euh, avec Marc-André Grondin. Pas aussi. T'étais complètement... T'avais pas de cache-sexe? mais j'en avais un petit triangle, mais tu sais, ouais. sinon... j'étais ouais, ouais, tu te très, très nue. Puis j'étais vraiment stressée. J'étais vraiment... Là, là j'étais vraiment stressée. Puis là, il fallait que je sois dans une pièce avec un, une équipe réduite mais c'était toutes des hommes, tu sais c'était six hommes. Puis il euh, fallait que je fasse l'éclairage mais avec mon corps, fait que j'avais j'étais pas caché, j'étais pas tu sais fait que j'étais comme tout nu en train d'éclairer. Ça, oh, ça ça arriverait plus pendant jamais. avec six hommes dans la chambre, j'étais oh my tu sais j'étais mais avant j'ai pris, il y avait une, une j'ai pris deux shooters. T'as bien ah, fait. Ah ouais, pour te... ça c'est mon oui. petit secret. Il y avait euh, de, la, de la vodka d'un parti de dans CCM. Mm -hmm. Puis j'ai fait, je m'excuse, je n'y arriverai pas. J'ai pris deux shooters de vodka. Puis là, le CCM était comme. Ben là, ma, je fait je m'en <laughs> calais. J'étais allée dans ma loge, puis j'ai pris deux shooters de vodka. Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple d'affaire qui n'arriverait qui plus aujourd'hui. Mais c'était correct. Tout le, monde était, tout le monde était super respectueux. Ouais. Tu sais, je voyais le gars de son qui était le même, puis qui tu sais, était de trouvé. <laughs> puis ah. c'était euh, euh, Jean-François qui était. Euh, Jean-François, le euh, nom yeah, de famille m'échappe, qui était un super euh, ouais. euh, good costume costume, vraiment. Il serait, ah, dans, ah, il serait oh, dans, dans tous mes contrats, mmh. vraiment. Mmh. Puis t'es avec Pod, puis tu sais, tout était bien fait, puis tout était beau, mais t'es quand même nu dans mmh. une pièce. Pendant qu'il fait son white balance. Ouais, ouais. tu sais, comme un mais, avec... <laughs> mais après ça, tu vois à quel point les gens sont respectueux, puis à quel point ils prennent soin de toi, mmh. puis qu'ils sont pas là pour check. Ben, c'est sûr qu'ils check, mais c'est pas grave. Mmh. Non, mais... <laughs> dans une certaine mesure impossible oui. de, de pas checker oui. mm -hmm. mais mais puis après ça ça a été comme je faisais des même, je faisais des jobs on est ouais, c'est vrai qu'il un moment où tu jump de fence c'est comme il y a un moment où tu fais ah, ben là tout le monde le... tout le monde l'a vu mon corps fait que ça. on est là, là. c'est fait ah, c'est fait c'est ouais. ça ouais. check puis là tu pars de... ok c'est plus comme ça moins comme ça puis là toi correct puis tu sais descendais quand même faire un bunny en bas là mais puis là il remontait puis j'étais comme bon mais puis, ça devient comme si tu avais une soude d'hiver. Mm -hmm. oh. Ça devient vite, ça. Mm -hmm. Vraiment. Oui. Ah, c'est fascinant quand même. Le, le, le Aussi, le, le je trouve que vous en donnez déjà tellement. <laughs> Puis d'en donner tellement euh, avec, avec votre tête, avec votre cœur, mais là aussi, on, on, on le rajoute avec le corps. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment... Et, euh, comment vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez devenir comédienne, mm. actrice ils savent-tu? Ils le savent-tu? Ils savent-tu? Moi, le chemin était déjà tracé avec mon oncle, qui est mm -hmm. acteur, avec mm -hmm. James. C fait que c'était pas, pas un big deal dans ma famille. Mm -hmm. ça, je veux dire, je pense que très tôt dans ma vie, je disais que je voulais être actrice. aussi. Ça, ça a jamais été une surprise Mais pour personne. Tu savais que tu pouvais vivre ta, gagner ta vie avec ça. Ouais. Hein? Ouais. Mais, Mais mon père, qui, qui, qui est quand même plus, euh, je dirais, rationnel et tarateur que ma mère... Euh, je, je sentais son inquiétude. Il me disait souvent, comme, ça va te prendre un plan B. C'est quoi ton plan B? Puis c'est quoi la limite? il y a où le moment où, où, là, quand ça fait huit ans que tu n'as pas travaillé puis que tu es sorti d'école, il y a où le moment où tu fais, ben là, je vais me charger. Ouais. Mm -hmm. Je sentais que mon père était plus inquiet, mais ma mère était. Pff, ma mère était. Tout ce que tu veux faire, tu pourras le faire et tu vas le faire. C'était quoi ton plan B? Qu'est-ce que tu lui répondais? J'en avais pas. Okay. J'en avais pas de plan B. Moi, je pense que c'est des métiers de vocation, quand même, les, 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 les métiers d'acteur. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, je veux dire, tu le fais certainement pas parce que c'est facile, mm -hmm. tu Ça demande beaucoup de travail. Ça... Puis encore aujourd'hui, moi, je veux dire, comme là, j'en ai pas de travail. Là. Je sais pas ce qui vient. J'ai pas... J'ai zéro... J'ai rien devant moi. C'est paniquant. C'est dégueulasse. Mm -hmm. Mais je me verrais pas faire autre chose. Mm -hmm. Tu c'est des métiers de vocation. Quand même. Ah, juste il y avait sa... juste... Au début de carrière, j'avais déjà dit ça à quelqu'un. Puis... Du coup, l'écriture humoristique, ça ne marche pas. Qu Qu'est-ce vas... qu que tu vas faire? Ah, bien, je serai humoriste. Ouais, ce pas ça, un plan B. Mais... Ouais. <laughs> C'est pas ça que ça ne marche pas de même. Mais... Ouais. Je vais les faire sur scène, mes ouais. propres textes. Oui, <laughs> pas ouais, toi. si tu vas toujours avec un plan B, on dirait que ça t'empêche de faire ton plan A comme il faut. Je n'ai mm -hmm. pas le dire mais oui. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai. que tu es comme... Si c'est le A, ben va dans le A, va au bout, puis un moment donné, tu vas le sentir que le A marche plus. Ah, le plan puis... B, va, il va venir par lui-même. Si je bien. pense, que, je ouais, pense ouais. que oui, là, à un moment donné. Euh... Parce que si tu as toujours ton plan B. Mais il y en a qui ont des plans B, puis qu'ils remercient la vie d'avoir eu leur plan B, puis qu'ils ont fait les deux toujours en même temps. Pis... Mm -hmm. C'est mm. ça, ça dépend, je pense. Mais, mais toi, tes parents, tes parents, tes parents, ils ont réagi comment Est-ce que tu es d'une famille artistique ah, ben Moi, je viens de l'île au coude. Puis non. Fait que mais. C'est pas vrai parce que. Ben, je trouve que c'est des artistes qui n'ont jamais éclos. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'est ça, t'sais. tu sais. Tu peux être artiste sans avoir le cachet. <laughs> oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je trouve qu'ils ont toutes une âme. Tu sais, je regarde mon père, puis il y a une. Mon père, est marin, t'sais. il marin, tu sais. Il était marin, puis. Mais il y a une folie que je prends pas du voisin, là. Mm -hmm. Tu sais, il y a une façon de faire les choses que, que je prends pas du voisin, puis, tu sais, ma mère aussi. Pis... Mais du côté de ma mère, ils sont plus. Euh... T'sais, ils chantent chante dans la cuisine, il se lève. Mon grand-oncle composait des chansons. Ça chante dans les... Dans les, euh, les, parties. Dans, dans les parties. Puis, euh, tu sais, j'ai un cousin un comédien aussi de la même famille, José Dufour, qui qui, qui va faire euh, tout petit, je pense, là la comédie musicale. OK. C'est de ah, cool. la même famille que moi. C'est mon cousin, puis euh, du monde qui aime danser, puis du monde qui aime... Euh, fait je pense que la fibre artistique, elle vient plus de, de là. Mm. Mais ma, mon père, c'est comme tu fasses ce que tu voudras à chaque fois, de 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 peu importe tu, la tempête. tu feras ce que tu voudras. C'est sa phrase de. Depuis toujours, là. – De tu Peu importe la tempête. Contre Evans et Marie, tu feras ce que tu voudras, Marie-Lyne. Ah, à bon port, le port, le port y que y tu veux. A beaucoup de moins de mots. Je suis oui. Tu feras ce que tu voudras. C'est plus ça. Mais il n'est jamais là pour mettre des bâtons dans les roues, tu sais. Ma mère, toute mon adolescence, j'ai fait du théâtre à l'école, j'ai dansé, elle a toujours été là. Tu sais, quand j'ai voulu danser, mon Dieu, on prenait le bateau. Euh, je finissais l'école à 4 heures. On allait prendre le bateau de 5 heures. Elle a travaillé, elle était infirmière à Baie-Saint-Paul. Elle venait me chercher sur le quai. Wow. Puis je prenais le bateau à pied, elle venait me chercher. On montait à Québec, à l'école de danse de Québec, faire hein? mon, mon école, de, mon wow. cours de ballet. Mais c'est comme une heure et demie de Baie-Saint-Paul. C'est une heure et demie de Baie-Saint-Paul. Mon cours était une heure et demie. Puis l'hiver, il était rendu trop tard pour... Euh... Le bateau. Le c'est ouais. fait qu'on dormait à Québec. Puis là, on reprenait l'auto. Elle venait me porter sur le, pour le bateau de 7h30. Ouais, Je prenais voilà. le bateau. Quelqu'un venait me chercher de l'autre côté. Puis elle a retourné travailler au CLSC. Oh, fait que, tu même si elle avait pas voulu, elle, elle m'aurait pas... Euh, elle t'a bien encadrée. Elle m'a super bien encadrée. Oui. Puis je faisais de la gigue irlandaise, moi, adolescente. Puis elle venait avec moi dans ça, les concours. Ça, corps. ça Quoi ça m'étonne pas? Tout gigue... <laughs> je faisais de tout la, tout gigue tout. la gigue irlandaise. La irlandaise, on avait un petit groupe de gigues irlandaise Puis tu sais, je, je fête beaucoup plus la Saint-Patrick que je fête la Saint-Jean-Baptiste. Je que là, c'est ta fin de semaine. C'est ma fin de semaine. Wow. Je, je, je suis guirée en irlandais. Je suis allée en Irlande, je me teignais les cheveux roux. Je sais pas, c'est ça aussi. Il y a New York, là. il y a l'Irlande aussi. Puis, euh, <laughs> tu sais, elle venait avec moi, là, aux États-Unis. Vous avez euh, fait des petites compétitions. Des petites euh, compétitions. Ouais. Fait que Comment tu peux une gagner pour une pour compétition de Girlandais? Il, il y a des gens meilleurs. Il y a des gens qui gisent. Ou C'est super dur, les oui. compétitions de Je oui. Waouh, je me suis dit, OK, je comprends, je, je recule. Tu, tu danses en même temps que la même personne sur le même plateau? tu commences puis là tu peux te rentrer il y en a qui se rentrent dedans parce que tu sais pas ce que l'autre le, wow. le patron que l'autre va faire fait que tu fais ton affaire puis il y a trois juges des fois il y a une juge qui peut te mettre première puis l'autre peut te mettre quatorzième wow. fait... mmh. non mais c'est quoi c'est où le Oui, le, le... le cri... ouais, critère, c'est quoi là pour une, j'étais première, j'étais quatorzième. Ben, Par contre, ils font une balance avec ça. Mon oh ça fait comme aux Olympiques, vous vous souvenez, quand elle avait donné le mauvais pointage à la fille de patin. C'est inacceptable. C'était pas le mauvais, était pas, il, était pas, il était pas vendu, la juge russe. Ah oh, oui, ouais. je pensais ça. Ah, ça. ça. Encore les Russes. Non, encore... encore les Russes. Mais Julie, je ne sais pas le elle avait quand même une petite inquiétude. Fait que, quand je suis allée en ségeant en pendant, c'était pas une surprise, elle m'a dit fais-le. Mais après ça, il faut falloir que ailles quelque chose. Mm -hmm, il faut mm -hmm. falloir que, que... Mais elle m'a toujours poussée vers ça. Elle m'a toujours mm -hmm. donné des ailes. Elle a toujours été celle qui m'a appris aussi la rigueur, puis à travailler, puis à aller chercher ce que tu voulais. Mais l'inquiétude de ma était là, parce que aussi, tu ne sais pas trop ce qui, qui s'en vient, ce qui se passe. Mm -hmm. Mais moi, je ne l'écoutais pas, en fait, son inquiétude. J'ai toujours fait ce que j'ai toujours foncé, oh, fait ce que j'ai voulu. Puis là, ben, tu sais, à voir que ça marche. Puis, tu sais, elle voit que je gagne bien plus ma vie que plein <laughs> de monde. Fait <laughs> ben oui. qu'elle rendu là, tu sais. Oui. m'a laissé... Ouais, la écoute écouter les inquiétudes des autres? Je me rappelle de ça. Oui, moi, moi longtemps, j'absorbais les inquiétudes des autres puis ça, ça, me, ça me bloquait. Fait que souvent, que je, quand j'avais des décisions super importantes à prendre, j'en parlais à personne. Mm -hmm. Puis... Là, après ça, je présentais tout le monde devant le fait accompli. Bonjour, j'ai changé de programme à l'école. Bonjour, j'ai un nouveau chum. Bonjour, j'ai un chum. Bonjour, j'ai un podcast. Bonjour, j'ai. <laughs> fait que comme ça, il n'y a pas personne qui fait comme Ouais, t'es sûre que ce va faire avec ça, où ça te mène. Mm -hmm. ouais. Mais c'est parce que c est, c est, on, 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 se, on se transpose toujours dans la personne. Ben oui, absolument. Fait qu'on c'est nos propres inquiétudes. C'est mm -hmm. à la place de faire Ah, oh, ok, parfait, tout, t'as pas peur de Ok, c'est bon, c'est cool. Mm -hmm. Puis d'apprendre de ça, on transpose tout notre crainte mm -hmm. à l'autre, alors que l'autre n'en a pas. Mais on, on... Ça me rappelle même un de mes très bons amis, à un moment donné, j'étais la seule de, de, de mes amis qui était en couple, puis je vivais une situation de couple particulière, fait que je me confiais beaucoup, puis je prenais tous les conseils de tous mes amis, même un cet ami-là, fin de soirée, là, sur le balcon, c'était mon sais après euh, quatre bouteilles de vin, on est rendu au joint fin de soirée, puis il m'avait regardé, puis il m'avait dit, tu sais, j'étais bien angoissée, puis là, je faisais tous les pour et les contre de qu ce que tout le monde m'avait dit puis m'avait dit t'as-tu remarqué que tout le monde qui te conseille est célibataire puis toi t'es en couple fait peut-être qu'il y a aussi toi des choses sur lesquelles que tu peux te faire confiance puis que tu mm -hmm. sais que nous on ne sait pas puis que dans le, nous justement on est célibataire aussi pour certaines raisons peut-être qu'on a peur de certaines affaires ou il y a certaines situations qui sont arrivées fait qu'il était comme un il faut falloir que tu prennes aussi ce que toi tu sais puis que tu te fasses confiance par rapport à ça ah se faire confiance Mon Dieu ça m'avait comme j'ai comme merci ouais il a raison donc voilà je me penser à ça Yeah. Parlant de situation de couple. C'est le segment des dates, mesdames <laughs> <laughs> et les messieurs, présenté par Eros et compagnie. Wow. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle? Pense à Eros et compagnie. Utilise le code promo Couple15, à 15%, as 15 sur absolument tout en ligne. Va pas en magasin et crée Couple15, ça met tout le monde mal à l'aise. Et. Et Rassi et compagnie, donnent des jouets à nos deux invités. Ils sont très excités d'avoir leurs jouets. Est-ce qu'on a le même jouet Je ne sais pas. Je ne je, je je sais pense rien. Que non. Je sais rien. Vous avez une petite, une petite carte euh, qui vous ont écrite Tout d'abord, on va. Oui, c'est gros. Oui, 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 oui. c'est quoi, vos jouets Je pense. On peut l'ouvrir. Oui. Vous voulez pas Non, mais, mais, mais les petits cocos Vas-y, ouvre le tien. Ouvre le Ouvrez. en même temps, on a une carte à lire. C'est ce que vous voulez. C'est à vous. que Moi, je veux que Marie. Puis il y a une carte. c'est le plus important. Vas-y, ouvre, Marie. Je l'ai. Non, c'est pas vrai. <laughs> <laughs> c'est exactement le même modèle que j'ai à la maison. Attends, il y a une carte. Eros. Mm. <laughs> <Je comprends. rire> Marilyn, étant donné que tu es la fière représentante de l'année de la femme, Eros et compagnie s'est dit qu'il était temps d'oublier la technique de la flûte et de te concentrer sur ton plaisir. Rien de tel que le jouet ultime conçu pour la femme, le Womanizer. <rire> <rire> Alors le Womanizer. <rire> <rire> Ah! Bonne découverte! J'ai aucune idée! Ah, moi, je sais ce que t'as entre oui! les mains! C'est super! Ouvre-le! C'est clair, je suis très heureux à ce moment-là. t'as ah. juste en disant. Ah, je suis tellement ah. jalouse! La Mais t'inquiète! Ok, vous allez voir mon bel accent anglais. Pleasure hair stimulation, 8 intensity levels. Je suis sûr que ce n'est pas pleasure well... hair qui est. Te... <laughs> non, ouais, j'en doute. C'est pleasure hair. Ah mais mais parce euh, que... oui, parce qu'il n'y a pas d'air. Là, tu as dit plaisir de cheveux. <laughs> de poils plutôt. Plaisir ouais, de, de poils. Poil. Mais ouais. peut-être. Si vous êtes rasé, ça ne marche pas. Oui, pleasure hair. Oui. Welcome pleasure into your life. Pink 8. Hey. <laughs> je, je peux pas croire qu'elle a le waterproof. Mais qu'est-ce que t'as toi, toi qu Mais t as, t as, alors, Je sais pas, peut-être que j'ai le waterproof. Tu sais que t'es un, un branleur, aussi. on ne sait pas. Waterproof made magic magnetic charging. Dans le bain, t'es correct. <laughs> additional additional stimulation head for all shapes, easy to clean. Grandiose. <laughs> C'est la plus ça, belle présentation. Regarde, je vais te le dire, là, tout ce que tu peux faire avec ça. Là. Mais comment ça, tu l'as pas Si tu l'as monté Ça fait hein. longtemps que je me dis qu'il faut que je me l'achète. On va... Guess ça. Quoi? On va t'arranger ça. On va t'arranger ça. On va t'arranger ça. On va t'arranger ça, ça. Ça, ça. Ça, ça. pour tes 40 ans dans ben... très très longtemps, donc. Oh oui, dans 15 <laughs> ans, là. Ouais, C'est loin. OK. Karine Gontier. Euh, trip à trois. Karine, Eros et, et compagnie s'est dit qu'en souvenir de Coco et Puff, nous ne pouvons, oh. pouvions faire autrement que de t'offrir le trip à 3. Un jouet qui te rappellera de beaux souvenirs et qui te permettra d'en créer de nouveaux, bonnes découvertes. Voyons, je suis tombée. Vois, moi, je suis pas une fille de gang. Toi, tu l'as. C'est une Oh, la belle pochette. sexe là. oral, trip à 3. What is that? Ben là, attends, là, toi aussi, là. peut-être faire un échange. C'est comme à Noël. Non, mais, mais je veux l'essayer. Je vais comme je je me suis sentie comme jaune d'un coup. Waouh Oh wow. My God. <laughs> Et Je sais pas quoi... Comme... Tu à distance. Tu à distance, à distance. Comme distance? ton chat. Oui. Tu veux oh, sur le oh, porte-clés? Ça. Ça Mets-toi ça dans, dans ça. Là. Puis là, mais ça, a... je me mets ça dans le pétun. Oui. Comme ça te regarde? Oui. <laughs> ça te regarde, ça. Oui. On dirait, je comprends pas, c'est quoi? Non, non, il y a quelque chose oui. qui oui. va dedans. J'ai cassé quelque chose. T'as rien cassé. sur le ça. clitoris. ça? C'est ça. En avant, c'est sur le clitoris. Le, la portion du milieu, c'est dans le vagin et la, la portion avec des petites boulettes. J'aime que. C'est pourri. Si tu te tout au début. À quel moment tu étais fatigué veux. puis tu as le les jouet trois... le plus essoufflant <laughs> du monde. les trois doigts. Ah, wow. regarde, la portion juste là, là où tu ton oui, doigt, c'est pour fait frapper sur le, le point G. Je pense que je tu que as détruit le point oui, G, fait chose, le était dur, puis là j'ai appuyé dessus, puis là c'est mou. Mais si tu le pars, il va refaire. tout, tout, tout Non, mais on n'a pas de bâtiment. Ah non. C'est chargé. Faut le charger, mais merci, Eros. Merci, euh, merci. Ça, c'est oui. <laughs> <laughs> ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est un. grand spécialiste depuis qu'elle est La femme prude et plate. Ah ben ouais. Ah, oh, non, non, ça fonctionne très bien. Ah, oui, oh oui. Mais regarde, là, j'ai appu appuyé, j'ai fait quelque chose ici. T'as abîmé le, le stimulateur après. Oh, oui, non, pour vrai. J'ai comme appuyé. Mais non, mais j'ai appuyé, appuyé là-dessus ah, pour ça. du loin. Oui. Je comprends. Il y a quelque chose qui. Je c est... pense que euh, ton vagin va euh, le. Va l'absorber. Pas l'absorber, mais ça va le <laughs> place. Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Je, je sais pas, <laughs> j'étais curieuse oh Marilyn, oh est-ce que God. tu veux donc lire Non, pas une... du tout, moi je vais être avec mon <laughs> Laissez-moi avec mon womanizer Wow Merci <laughs> sexoral pour hey, les beaux cadeaux Hé, Eros, t'es où Eros? C'est ça, c'est euh, un jouet de la gamme sexoral Womanizer wow. Ok, excuse-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour ceux qui pour ceux qui écoutent le podcast. Euh, c'est pas obligé. De, on, on, on... Nos auditeurs ah, nous envoient ouais. des dates. C'est anonyme. Ils nous envoient des dates épouvantables oh. et on les lit. Alors tu lis une date épouvantable oui. d'une femme. Oui. C'est bon. Épouvantable. Il va prendre de l'eau. Tu l'as déjà lu, toi Oui, parce qu'on veut pas que ce soit trop épouvantable. Oui, OK, OK, ça. OK. Tom, il okay. fait un petit scan, un, un pré-scan. Ah, c'est okay. bon. OK. Salut Stéphanie, Thomas et tous les autres. Toi Ça, et oui. Karine. Et Marilyn. <laughs> j'ai passé la dernière année à m'amuser. Qui a dit que la crise de la cinquantaine ne frappait que les moins... que les monsieur Abedin? Oh! oh. OK, je recommence, OK? J'ai passé la dernière année à m'amuser. Qui a dit que la crise de la cinquantaine ne frappait que les monsieur Abedin? Mm -hmm. Pour ma part, lassée par des années d'éjaculation précoce et de plaisir clitoridien, oh. j'ai sauté dans l'arène Tinder et eu plusieurs bons rounds. Je pourrais vous parler du premier, un émondeur de 28 ans, une machine infatigable ou de l'italien qui m'a fait en me crachant dans la bouche. Oh. La seule chose. Oh, excusez. La seule chose. Je recommence encore. Je pourrais vous parler du premier, un émondeur de 28 ans, une machine infatigable ou de l'italien qui m'a fait en me crachant dans la bouche. La seule chose que je pensais détester et qui m'a finalement fait complètement perdre la tête. Mais je vais me concentrer sur une seule date. Oh. Je l'appellerai la date qui m'aura appris qu'il y a peut-être une limite à ne pas franchir. En m'inscrivant sur Tinder, je me suis, je me suis une règle. Je me suis mis une règle. Ok. Un en inscrivant sur Tinder, je me suis mis une règle ne pas coucher avec un garçon plus jeune que mon plus vieil enfant. Ah... <laughs> ah... 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 <laughs> quel... Ça a me mis son frigidaire. Ça, son mood Quelle mauvaise règle. Ma fille de 28 ans. Oh, c'est pas stupide. On parle pas de De toute façon, je suis encore complètement abasourdi de voir à quel point le fantasme de la est bien présent. Mm -hmm. C'est ma, euh, ma, ma mother ma, ma, I'd like to fuck. Oui, ça. Voilà. Au début, quand un jeune homme m'écrivait, je lui répondais systématiquement as-tu bien vu mon âge Et la réponse était, était, elle aussi toujours la même. Oui, je l'ai vu. C'est justement ce que je cherche. Je préfère <laughs> l'expérience. Et tu es vraiment fucking chaud. Oh, c'est bon ça. On a peut-être 40 ans, finalement. Oui, c'est ça. Mais C'est comment je fais à dire, qu'est-ce que t'aimes chez moi? L'expérience. Ouais, je sais pas. je sais pas. Ben, Manette, c'est tout ce qui te reste. Fait que tu dois l'accepter. Faut miser là-dessus. Pour une fille encore en thérapie pour passer au travers ses problèmes avec son père et qui se trouve pas belle, pas bonne, pas fine, c'est fucking gratifiant. J'avais deux copines, mariées depuis plus de 30 ans, dont une qui avait eu un seul amant, son mari, qui écoutaient mes histoires en vivant par procuration les joies du libertinage. Mm -hmm. Quand je leur ai dit ma règle, elles m'ont dit Mais pourquoi cette règle Ce sont des adultes consentants, il n'y a rien de mal. Et je me suis dit qu'elles avaient bien raison. Oh. Fait qu'on descend le. Ouais. Parfait, le barème. Mm -hmm. <laughs> le soir suivant, je suis sur Tinder. Bam Un match avec un beau jeune homme de 23 ans. On jase un peu. My il est musicien, God. il joue du jazz. Je me suis dit que ça prend une certaine maturité et une intelligence émotionnelle pour jouer du jazz. Ça peut mourir de, de rire parce que les musiciens de le jazz, c'était des là. C'était pas les gars les plus matures du <laughs> monde. Comme ils aiment la musique des euh, années 30, ben, oui. c'est ça. Il y a peut-être une vieille arme. J'ai tombé sur une vieille arme. C'est des gars qui se piquent et qui parlent leur trompette là, pour avoir de l'héroïne. Il probablement un chapeau pas. de feu. Ouais, oui. C'est complexe le jazz, les notes du jazz. Oui, L'important, ouais, euh, c'est les notes que tu joues pas. <laughs> <laughs> c'est ça. C'est qu'on dit du jazz. Vrai? Bon, on est rendu. Bon, euh, bon on jase un peu. Il est musicien, il joue du jazz. Je me suis dit que ça prend une certaine maturité et une intelligence émotionnelle pour jouer du jazz. Alors, je lui, dis, je lui donne rendez-vous dans un bar de mon quartier. Mm -hmm. L'expérience, tu vas à une première date, à un endroit public. Oui, oui, Comme oui. C'est bizarre, ça. tu oui, prends bah, le ah, gorgé, tu oui, t'en oui, vas. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on fait. C'est mieux de même que, hey, viens à la maison, personne que je connais pas. Oui, oui, ah, non, oui, c'est ça. Oui, non, c'est vrai. C'est oui. vrai c'est bizarre, ça sera pas grave. Viens avec ton saxophone. <laughs> <laughs> c'est Faire les notes que tu ne joues pas. Je joue pas. <laughs> Viens faire sur moi les notes que tu ne oh, joues pas. Ah <laughs> oui. Je ne me suis pas trompée. Il est drôle, il a de la conversation et je passe un bon moment. Il me propose de bouger et il me fait découvrir une micro-brasserie fort sympathique. Ah, c'est dans mon quartier. Messorem, pour ne pas la nommer. C'est un super bon. OK. Et ensuite, je lui propose. Surtout pour toi. Oh. Ben pour vous. Vous oui. pouvez oui. amener votre enfant. ah. Ben, oh. Oui. C'est hey. super cool. All right. OK. Motivé. Oui. Parce que j'ai toujours voulu boire avec ma fille. Oui. oui un hein. bon pichet de mousse. Mais... <laughs> tu bois un peu, puis tu plein d'enfants qui courent. <laughs> euh, mais c'est rien pour ne pas la nommer. Et ensuite, je lui propose de venir chez moi pour un dernier verre. Ça se passe? Un, un dernier peu? verre. Okay. Arrivé chez moi, on s'assoit, je nous sers un verre de vin et on continue à parler. Il me parle de ses expériences, me pose des questions sur les miennes et nous faisons une. Song Battle, en tentant de se faire découvrir des nouveaux artistes. Ah, OK. Puis on va à la cuisine pour remplir nos verres et là, il m'appuie sur le comptoir avec vigueur et m'embrasse. Mmh, wow. Je fais partie. <rire> <rire> yes! <rire> Go, girl! <laughs> et je fais partie des soumises qui, qui aiment bien être prises en charge et je me dis, OK, il a seulement 23 ans, mais il semble sûr de lui et savoir ce qu'il fait. On devrait s'amuser. On retourne au salon, on s'embrasse à pleine bouche, ses mains sous mon chandail, puis dans mon pantalon. Ne me sentant pas tout à fait fraîche. Je... On dirait que c'est une réplique de ce une comme ça. Lingette, une petite lingette humide. Elle a besoin d'une petite lingette. Elle cette expression-là, moi, je, là, je la bannirais. Je ne me sens pas tout à fait fraîche. Là, je trouve ça dégueulasse. Mais Huguette dit ça, à un moment donné. Oui, c'est vrai qu'elle dit ça. Oui. Je le repousse doucement. C'est peut-être puis... Huguette avec les personnages de Whiplash. C'est un crossover Je le repousse doucement et je lui dis Moi je prendrai une douche Il me répond aucun problème, je t'attends right. okay. Okay. Il me suit dans la cuisine La porte de la salle de bain est entrouverte Et je le vois assis sur un banc à l'îlot Qui se resserre du vin Je saute dans la douche, me... je me dépêche Ses mains baladeuses m'ont réchauffée Et j'ai hâte de passer aux choses sérieuses « Je sors de la salle de bain 15 minutes plus tard. » C'est long. Ouais, hein? Oui. Une longue long. douche. Une oui, bonne douche. 15 minutes, c'est un peu oui, trop long. long. Quand tu as quelqu'un oui. qui attend, là... Elle voulait oui. faire les aisselles, les jambes, puis tout. Elle ça... ouais, est sortie. C'est rare. Comme dans les films. C'était oui, très cinématographique, oui, son affaire. <laughs> Je sors de la salle de bain 15 minutes plus tard. Et es tu es et... sorti pour... avec la serviette à la tête. Oui, c'est ça. Excuse-moi, j'ai fait mon traitement à l'huile pour le cuir chevelu. <laughs> Puis il dort, c'est divin. Mais vu que c'est un homme de 23 ans, oh. c'est sûr qu'il dort pas. Oh. Mais dans les films, tu sais, oui, oui, les oui. hommes dorment toujours, ah ils oui, se sont endormis avec la cravate un peu. Oui, mais, un peu... mais ça un... se réveille un homme. Hein. Juste parce ça se réveille un homme. Oui, ça. Ah, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. oui, oui. Ma part Nicolas Cage qui faisait semblant de dormir. En, en tout cas, <rire> <rire> je sors de la salle de bain 15 minutes plus tard. Il n'est pas dans la cuisine. La musique joue au salon. Il est sans doute retourné et il est où il est sans doute retourné. Il n'est pas là non plus. Je me dis, bon, il est sorti prendre un appel, il est allé fumer une cigarette, il est allé chercher quelque chose dans sa voiture, mais je me dis, fuck, est-ce que mon portefeuille et mon mac sont encore là? Mmh. Oui, tout est là, sauf mon beau jeune homme qui m'a ghosté live pendant que je me lavais en pensant à sa bouche sur la mienne et à son intensité plutôt dans la cuisine. Il est parti. Mmh. Il est parti. Mmh. C'est donc. Ils sont fâchés, je oui. Les... <laughs> ah, Il est parti. Taparnak. Il est parti. Ah eh oui? Non, mais au pire, revient dans la douche Non, mais en elle. même temps, 15 minutes. Là. Ouais. <rire> <rire> Faut que tu t'aides, madame. C'est je... long. 15 <laughs> ouais. minutes, sérieux? 15 minutes, oui. trop long. Genre, on parle. C'est un vrai coït interrompu. Ouais. Là. Si ouais. Tu freines, tu es comme humide et, et, comme, et prêt, mm -hmm. puis tu disparais 15 minutes. Un ouais, hein? 15, c'est long. Un 15, c'est long. Ouais. Au pire, tu vois une petite eau. Une petite débarbouillette. Oui. Une la, petite débar... oui? Oui. la petite eau. Oui. La petite est fantastique. Oui. Bon, je vais continuer, je m'excuse. Je lui ai écrit sur Messenger, sérieux, mini » Il a mis plusieurs heures à me répondre pour finalement me dire, j'ai eu peur. Je n'ai pas un gros pénis. Moi, avec, avec, toutes tes... oh, mais comme... avec toutes tes histoires, je me suis dit que je n'arriverais pas à te satisfaire. J'étais bouche bée. Oh. Le Jasmine à la petite queue. <laughs> J'ai dit, oh! est-ce que j'avais l'air de passer un mauvais moment? Silence radio. Oh. Elle a eu demandé ça. Elle ouais. mmh. n'a pas répondu. J'ai écrit à mes copines le lendemain et j'ai dit, j'ai intimidé un petit garçon. Oh, c'est bien dit. J'espère ne pas l'avoir traumatisé. Nous nous sommes revus ensuite en, en amis. Il est encore drôle, intelligent et sensible, ah, mais même. ses mains sont toujours restées hors de mes vêtements depuis. Oh! Ah, on dirait que je ne sais pas pour qui je prends dans cette histoire-là. C'est comme si. Euh, j'ai de la peine pour les deux. Ben oui! comment, une petite queue, tu peux avoir du fun pareil? Mais hey. est-ce que c'est vrai hey, ou ouais. c'est juste un. Ou peut-être que un... c'est la raison euh, que tu puis... Il y a bien y a des donné. hommes qui pensent comme petite queue parce qu'ils regardent la pornographie depuis l'âge de large, 11 ans et ouais. ils font, mais c'est ça, moi, elle me mesure pas oh, 12, 12 pouces. Oui, oui, le voici tous mes amants, j'ai eu du plaisir, puis ça l'a intimidé. Ouais. Mais on s'en fout de ça? Non, oui, oui vraiment. Ou, euh, c'est, je le cite Petit encore, excuse-moi. Le pénis, c'est comme les saints petits saints, gros saints. Oui, oui. Il y a du fun à avoir avec qu'il disait bien. ça, c'est quand tu vas. Son fantasme, c'était de Mills. Oui. Tu veux vraiment. Si tu veux. Rarement réaliser ton fantasme parce que tu plus de fantasme. Après, tu plus de rêve. Ah. C'est ça qui a fait peur. Il est arrivé trop proche du fantasme. Il ouais. a fait comme non, il faut que ça ouais. reste un rêve. Il est proche mais du fantasme ultime. Voilà. Puis, non, mais j'ai une petite queue, madame. Oublie ça. Là. Mais il ne voulait pas vraiment vivre son fantasme. Après, depuis plus rien. Mais aussi, mmh. pourquoi j'ai écouté toutes tes histoires. Mais c'est quoi, elle disait, elle disait ben, elle La, soul, la, ça, la, se la se disait grosseur de pénis de ben, ses amants. L'italien, puis d'autres trucs. Puis... Ah. Mmh. Ouais. Tout... Non, dis pas ça, la grosseur non. du pénis de nos amants. Ça, c'est en de filles, généralement. Puis encore là. Mm. Encore là? Non? Ouais. Je pense jamais du pénis de, de tes amis, à mm. moi. Mm. Mm. <laughs> Re ah. Reconstruis cette phrase, s'il te plaît, Thomas. Là, <laughs> on n'a pas compris. Non, mais maintenant que, que tes amis, pénis. Pénis, jamais, pas pénis, pas pénis <rire> moi. Pénis, moi. la queue <laughs> à tes amis en bon, mais là, c'est la queue. Jamais. Mais non, pas vraiment. c'est terrible. Ben, moi, je parle tout le temps de tes mes amis. Non, mais c'est peut-être arrivé. Peut-être arrivé, mais on dit. Moi, quand ça arrive. Oui, c'est arrivé. Moi, rarement. Je, je, oh, ça arrive. Il faut non. que ça soit spectaculaire. Exact. Oui, c'est ça. ça. Que, mais ça, pour le meilleur part, ou pour le pire. Ça viens de me briser le cœur. <laughs> mais c'est quelque chose que je dis souvent. Ça fait mal. Ah dit, non, mais un ça. beau pénis standard. C est, c est, c est exactement. Les hommes, on, 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 veut veut tous, on veut tous, entendre qu'on a un beau pénis un standard. J'ai un pénis mannequin, tranquille. Tout le monde rêve d'être normal. Personne rêve d'être normal. Raoul, il rêve pas de ça. Personne rêve de ça. J'ai le podcast. J'apprends que ma queue normal. est. Tu sais, un, un non, pénis mais... qu'on oublie parmi les autres. C'est-tu le pénis à Thomas <laughs> C'est-tu <tout> le pénis. <laughs> ah Jean-François, oh. c'est pas. <laughs> Une autre date Karim. Hey, je m'excuse, en plus, tu disais, les actrices ont un beau delivery. Mais oui, non, c'est pas le cas. Non, non, Je pas Mais il te ah, dit ah, au début qu'il ne faut pas l'avoir la première fois. Hey. C'est ça. Puis. Non, lecture non, non, à première vue, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Tout est dans tout. Lecture à première C'est tough. la lecture. C'est super tough. OK, on y va. Allô, les amoureux avec enfants et le présumé invité. Ça part, ça part très mal. Premièrement, on est deux femmes. Euh, deux femmes euh, on est deux et on n'est pas hommes. Donc, euh, ça, euh, part ça, ça part dans la colère. <laughs> bon, ça part dans la colère. L'hystérie encore. <rire> <rire> euh, il y a quelques années, quand j'habitais dans l'est de la province, j'ai décidé l'aventure la, déci, Tinder. Ah, OK. Oui, Elle ça. a décidé l'aventure Tinder. Elle on a décidé, on parle okay, de même. Non, Tinder. non, non, ça se peut. Ouais. J'ai décidé l'aventure Tinder pour aller à la découverte des gars de la région. J'avais déjà rencontré des gars auparavant dans, dans des bars, mais vu que Rimouski est un gros village, je les recroisais trop souvent à mon goût. Oh. Donc, beaucoup de sweepage à gauche. Plus tard, j'ai matché avec un gars qui avait pas mal les mêmes intérêts que moi, même pour ce qui est du métal. Okay. La musique et non le matériel. Okay. Ça, c'est une très belle note. Merci, mademoiselle, d'avoir ça. Effectivement. Ce qui est plutôt rare malgré sa difficulté à écrire correctement des phrases qui semblent être plutôt la norme de nos jours on décida de se rencontrer mm -hmm. dans une microbrasserie du coin pas oh, c'est simple, let's go! Oui! pas? Pas c'est simple! Je pense qu'il aurait fallu euh, dire nous décidâmes. Mmh. Mais en tout cas, On décida de se rencontrer dans une microbrasserie du coin. Tout se passe bien, on discute, mais son accent de la campagne rimousquoise me fait un peu sciller les oreilles. Je me dis que je devrais pas le juger sur ce point, de vue, sur ce point vu la réalité démographique du Bas-Saint-Laurent et qu'il peut être un bon gars quand même. On verra malheureusement plus tard que c'est oh pas oui. le cas. Ah, mais oui, mais je pense pas que c'est à cause de, mais de son si accent. C'est un truc, c'est pas à cause de son accent. <laughs> attendez non, là, non, attendez, non, attendez non. on sait pas. ne connais pas l'histoire, ma chérie. Voyons voir ouais. ouais. où ça s'en va. Il avait fallu qu'on me juge pour mon accent. Je <laughs> restais seule au monde. <laughs> T'as-tu c'est ton accent? Ben, je sors pas. Là, là, je commence à. Je suis détendue. Je <laughs> un peu. Avec le womanizer, ça sort. C'est après, ouais. après le womanizer. Ouais. Mais, mais, mais tu sais, je retourne chez nous, puis là, tu, tu verrais pas la même fille, je pense, yeah. dans la façon de parler. Ah mm -hmm. oui. Oui, oui. oui. Pas... oui. Ça, ça revient au galop. Oui, 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 oui. Mais là, euh... en tout cas, vas-y. <laughs> <laughs> je trouve ça bête. Mm -hmm. Tu trouves ça quoi? Bête. Oui. À la fin de l'accent? Ah, ouais. Ben oui. C'est tellement beau. Après cette première rencontre tranquille, nous décidons de se replanifier un autre rendez-vous lors d'un show d'anonymous. Excellent, je vais pouvoir voir sa vibe avec d'autres personnes et dans un autre contexte. Mais tu tombes vite en amour quand tu fais un mosh <laughs> Ben ah, c'est ouais? euh, une, une façon, de se toucher, mm -hmm. euh, tu Oui, hein? j'imagine. Ben oui. Le grand jour arrive et je dois aller le rejoindre chez eux dans un petit village perdu. Rendu chez lui, je remarque par la fenêtre qu'il n'est pas seul dans la petite maison chambranlante en manque d'amour. Ah. <laughs> Elle n'aime pas et elle, elle, elle pas, pas sa maison. Bon. Il me répond et je remarque ses belles lèvres rouges imbibées de vin quand il commence à me présenter sa mère et son petit frère. Deuxième date. All right. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer sa famille de sitôt, surtout qu'il ne m'avait pas précisé qu'il serait présent. L'intérieur de la maison est dans le même état que l'extérieur, mais avec de l'encombrement un peu partout. Je laisse le doute que c'est sa mère qui ramasse pas, mais bon, je ne suis pas si naïve que ça, surtout qu'il a quand même 28 ans. Il me dit tout souriant Ouais, il va falloir que tu conduis jusqu'au chaud. Je viens de terminer ma deuxième bouteille de vin. Imagine si c'est ça sur la Non, c'est réussi. <laughs> C'était <Ça>, réussi. <laughs> OK. Fait que, il me dit tout souriant Ouais, il va falloir que tu conduis jusqu'au chaud. Je viens de terminer ma deuxième bouteille de vin. Cool. Je pensais pas non plus être la conductrice désignée ce soir-là. Je venais de me taper une heure d'auto, mais bon, je suis capable de conduire quand même. Puis, un gars chaud. Oui. J'avoue que des tout est un peu wrong. Ça, ça, ça arrive souvent, c'est des femmes qui ont des gauchos. On ah, des choses qui arrivent. Hein. Ah. Des fois, tu as une dingue à gauchos. Puis deux bouteilles de vin, c'est. Avec ta mère et ton petit frère. <laughs> sa ouais, ouais. mère. Il y a 28, peut-être son petit frère, il y a 25. Puis sa mère. Oui, hum. peut-être. Moi, je bois beaucoup de bouteilles de vin avec ma mère. Okay, non, Avant des dates? Avant des dates. <laughs> dans dans, des dates? dans ouais, votre ouais, maison, chambre en lente au bout du rang. Oh non, <laughs> oui. c'est très... Mal entretenu. <laughs> très, très... Euh, fait qu'elle dit, euh, « Je m'attendais pas non plus à rencontrer un gars déjà saoul, car on sait que les personnes saoules sont souvent les plus agréables à côtoyer, voyons. Mm -hmm. Il m'offre de dormir chez lui. Je priais pour ne pas avoir à dormir avec sa mère. Et il descend au sous-sol, semi-fini, d'une maison qui a le mal de vivre. On oh, est là, tu y vas pas, là. Elle est allé? Oui, excuse. Okay. Oui, ça, c'est tes nouvelles, mais ils, ils vont tout ça. le temps. C'est pour ça qu'ils nous ont C'est parce qu'ils vont Ce n'est pas une date. Le gars était souple, je suis rentrée chez moi, puis j'ai pris mes sens. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Euh, là, ouais. Je voudrais ferais remarquer la poésie de sa phrase, parce qu'on dirait qu'elle parle du gars. Il m'offre de dormir chez lui et, de... et il descend au sous-sol semi-fini d'une maison qui a le mal de vivre. Mm -hmm. C'est une métaphore de mm -hmm. sa propre personne. Ça sent l'humidité et le désespoir. Ah. Il me pointe un petit lit de camp dans le fond, caché derrière un rideau en avant d'une petite TV des années 80. Si vous voulez vous imaginer, c'est clair dans ma tête que j'allais terminer attaché à une chaîne dans sa cave pour le restant de ma vie, puis que personne m'entendrait crier dans ce coin perdu. Ah. Donc, coucher chez eux ne sera pas une option. <laughs> J'imagine. Bon, okay. En plus, que lui dort dans la même chambre que son petit frère. Je m'imagine pas baiser à côté d'un enfant. No way. Mm -hmm. On décide de partir pour le show. Nous avons environ une demi-heure de route à faire. Arrivé sur place, il connaît, le, il connaît pas mal tout le monde et passe d'une discussion à une autre sans me présenter ou se soucier de ma présence. Bon, J'ai changé un peu le, la phrase, parce que dans le fond, ce qu'elle dit, c'est « sans me présenter <laughs> ou se soucier que je sois présente okay, ». Je oui. trouvais ça plus beau de me dire euh, « oui, sans non, me mais... soucier ». Comme tu oui. veux, comme <laughs> tu veux, toi. Ouais, je fais de la script oui. en même ça temps. Ben, hein. correct. Nous, on fait ça des fois. Oui. Oui. Ça oui. <laughs> <Oui>. chose, <okay. rire> Donc, je décide d'aller me chercher à boire pour me distraire et je lui apporte un verre par le fait même. Il prend le verre sans trop me regarder et continue comme si de rien n'était sans me remercier. Je me dis « la soirée va être longue, mais Chris, c'est moi qui ai payé les billets, je vais bien en profiter un peu ». Le show débute, il m'ignore. Il va même se rechercher des drinks sans jamais mon offre. Là, là. Non, là, je, euh, non, ça suffit. Là. Moi, je serais comme, hey, bye. Oh, ouais, mais. Oui, là, ça ouais. suffit. Ouais, 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 pas dit, il est ça. s'en va au bar, puis là, tu Ouais. Tout. ouais. Puis, si aimes les gars qui aiment le métal, y il y en a d'autres. Il ah, y en a d'autres. Oh, oui, ah, oui, oui, dans ça, place. Ouais. Ouais. Je suis une personne autonome et indépendante, mais un petit geste d'attention est quand même plaisant à recevoir de temps en temps, surtout lors d'une date. Rendu là, mon idée déjà faite, je veux m'en aller au plus calice, mais ça continue de dégénérer. À l'entracte, oh oui. une métalleuse bien en chair oh. <laughs> vient à ma rencontre et me demande si je suis la blonde à, appelons-le, épais. Appelons-le oh. <laughs> épais, c'est bon. C'est comme un sept -nin. Oui. Un des sept nains <laughs> Épais, gracieux. Je lui réponds non. Que je le connais à peine et elle, de renchérir, au moins épais, on couche souvent ensemble puis aime ça. Oh. Je sais pas que c'est qui ferait avec toi. Oh, c'est écrit toi. Ben ouais Je pense, hey, tant mieux pour toi ma grande parce que c'est clairement pas moi qui coucherai avec lui au point où j'en suis ce soir. Elle rajoute, t'es quoi, t'es même trop petite pour lui avec un regard intimidant. Oh. Extraordinaire. Mon J'aime tout de cet échange-là. C'est de bon, des... là. Oui. Dans un show métal puis ben tout. Dans ce temps-là. Elle Marc son territoire. Oui, territoire. le gars là? Qui crie? T'as moins. Oui. Dans ce temps-là, je pesais 120 livres et j'étais. Et je n'étais pas là pour tester mes compétences en savatage dans gorge et en coup de botte dans nounes. <laughs> OK! Elle l'a déjà évalué, genre comment, barbe, je... comment je me bats. comment je me bats! Donc. Je, je relis cette phrase parce qu'elle est vraiment bonne. Dans ce temps-là, je pesais 120 livres et je n'étais pas là pour tester mes compétences en savatage dans la gorge et en coup de botte dans l'aune. Donc, je choisis la paix. En savate dans la gorge et en coup de botte dans l'aune. Donc, je choisis la paix et je m'éloigne dans la foule. En parenthèse, 30 personnes. Je me sentais vraiment comme l'intruse dans le village. Durant le reste du show, elle me dévisage, me fait des signes de ⁇ je te watch. Ben voyons C'est extraordinaire. extraordinaire. Voyons donc <laughs> la métalleuse en colère. C'est bon, là. Épais <laughs> vit sa best life en sautant partout et moi, je suis en train de remettre ma vie en question à cause de mes décisions pas toujours excellentes. Tout se termine. Épais disparaît de la surface du Je le texte, il me répond pas. Magnifique mais je pense qu'elle, il faut qu'elle apprenne à mettre ses limites. Là. Le texte. Oui, tu bien. peux, le laisser, On tu peux le laisser partir. Tu peux le laisser partir. Ma limite a été longuement dépassée. Mm -hmm. Je me pousse de ce cauchemar. Il s'arrangera pour revenir avec ses propres moyens, le pauvre épais. <laughs> Une heure trente de village et de forêt à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Rien n'est fait. À mon retour, de beaux paragraphes de texte m'attendent sur mon messenger pour me traiter de crise de folle classique oh. de l'avoir laissé là et que par chance que son ami avait été là pour le ramener il suçait <laughs> <Cool. rire> ah. Tu pas nécessaire cette note là. Ouais, j'ai un lift une pipe juste mais c'est encore en tout cas, en cas moi moi, moi elle elle l'a fait en tout <laughs> cas. Oh my god. C'est incroyable. Grâce à ce scénario épique, j'ai appris à mieux choisir mes dates pour ne plus jamais avoir à subir ça. Si tu parles tout croche où tu plus capable de savoir la différence entre ER et E, ben désolé mon homme, t'as aucune chance avec moi, aussi beau sois-tu. Oh, c'est beau. Une... Bam, bam, bam. Au oh, début, je la trouvais tough en me disant, tu sais, avec l'accent, puis là, je fais, oh, pour ouais, elle. C'est ça. <laughs> on se l'a dit, on va attendre, voir. En fait, ce qu'elle qu voulait nous dire, c'est juste que c'était comme un gros tout croche, là. Ouais. Un gros tout qui méritait pas son attention. Oui, exactement. Mais lui, il a passé oui. une soirée exceptionnelle. Mais lui, a vécu sa best life. Wow. Il a bu du vin avec sa famille. Oui, deux bouteilles. Oui. Deux bouteilles. Euh, il y a une belle femme, il, a, il, a, il a donné attention. Oui. Il s'est fait conduire. Il il fait conduire. Fait conduire. Il s'est fait conduire. Fait elle fait a payé. payé un show elle, elle a payé les billets. Ouais. Oui. Un super concert. Oui. oui. Il s'est fait ramener, puis il a une fellation. Oui. Puis, elle lui a payé ses drinks. Waouh! Wow. Et elle lui a payé il ses a ses pu faire un élan de dramaturgie en texto. Ouais, il a pu s'exprimer en paragraphe, en ouais. DM. Ouais. On le salue. Il a tout eu. Il l'a traité de crise de folle. Crise de folle, puis l'autre au moins, l'autre au moins. J'espère ben, ben, qu'il se reconnaît. Ben, J'espère ouais. qu'il écoute puis qu'il se, qu qu se reconnaît. Je pense qu'il se souvient pas de cette soirée là. Ouais, ça se peut. Mais je pense ouais. que quand si tu fais ça, non, tu te reconnais pas. Ouais, ouais. Non. moi bah, cool. Si tu de même, t'es tu... comme toi, c'est une petite soirée tranquille Ouais. Tu soucies même pas de. T'as raison, t'as raison. Ah, oh, les filles, merci pour ces lectures euh, grandioses des d'aide de nos ouais, auditeurs Merci, merci pour le partage. Merci ouais, ouais. pour ouais. l'écoute. Merci beaucoup pour votre partage aussi. C'était vraiment oh. fun de vous recevoir le Ah, t'es souhaits Thomas, ça va est, Le printemps débute. Ah, ouais. ouais. oh, ouais. ça va bien aller. C'est un genre de beau signe. Oui, c'est ça. Le, 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 ouais. le printemps arrive, tout le monde c'est vraiment bien. Ouais, fun. <laughs> je suis pas contente. <laughs> Donc, euh, c'est comme ça que je t'aime. Deux femmes en or qui s'en vient également, c'est le tournage que, que tu viens juste de terminer. Donc on vous, on vous suit, on ne sait jamais de la vie d'actrice qu'est-ce qui nous attend. Donc on vous suit puis on attend la suite. Mmh. Mais moi j'ai des bouquins qui vont sortir. Qu'est-ce qui s'en vient? Moi j'ai j'ai euh, la petite et le vieux okay. que j'ai tourné tout de suite après. C'est comme ça que je t'aime. Okay. J'ai euh, Mademoiselle Bottine aussi okay. le remake de Bac et Bottine. Les ah. contes pour tous. Pour enfants donc. Mais pour enfants. Pour tous. Pour tous. T'as bien raison. bien raison. Puis il euh, y a Belle Fleur aussi qui va sortir sur Crave. Okay. Je pense. À l'automne, c'est écrit par Sarah de Beauchaîne et par euh, Jeanne Leblanc. C'est tout ça qui s'en vient. Merveilleux, oh, oh, oui. beau projet, magnifique, plein d'affaires. Plein d'affaires. Oui, ben c'est tout déjà tout fait euh, Est-ce que, que tu t'en s'en viens? Tu et toi? Oui, moi je joue au théâtre dans un show de Serge de Longcour, qui s'appelle le prénom. Ah oh, wow, cool, cool avec le grand Serge. Avec le grand Serge. Nous, ça va à l'automne aussi. Ça s'appelle. C'est à l'usine C. OK. C'est une adaptation que Brigitte Poupard a faite d'un texte britannique qui s'appelle Anatomie d'un suicide. Wow. Et, ouais. Moi, l'usine, ça va être, c est, c est, euh, ça va être très, très, très technique, très difficile. Ok. Mm, je un pense challenge. Que, ouais, vraiment. Okay. J'ai peur un peu. C'est okay. en novembre, puis euh, je vais commencer bientôt. Ok. okay. C'est là toute la différence entre Marie et moi. C'est ça. Scolaire ah, okay. qu'elle disait. <laughs> non, mais c'est parce que tu sais, c'est. C'est des trois, trois euh, générations de filles, mettons la fille, de la mère, de la mère. Mm -hmm. Qui sont ensemble. Fait que mettons, elle a parlé, puis elle la parle en même temps. Ah, puis vous ne vous voyez pas nécessairement. Il okay. faut wow. s'entendre. Elle a demandé à un, un projectionniste formidable de faire des projections là-dedans. Mm. Il est asiatique. En tout cas, c'est est, est extraordinaire. Le fait sujet que c est, est asiatique? Le projectionniste, oui. Okay. C'est un Japonais, je pense, ou quelque chose de. Okay. Non, mais je trouve que ça... ça, ça il apporte app une technique ouais, aussi. ça euh... paraît dans, dans... Il habite au Japon? Oh là, je le sais plus. Je ne sais pas où il est... habite. Son copasta non plus, on ne sait pas. En fait, peut-être puis... j'ai oui, tout alcohol. ça. Toute ma dernière phrase, c'est peut-être déniée. Peut-être <laughs> <laughs> que... Peut que... <laughs> mais c'est un grand show. Qui... Ouais, euh, on va le voir en novembre. Mais oui, à partir euh, de la fin novembre. Je pense que c'est à partir du 28 novembre. Fait qu'on va travailler ça. Oui. Ben merci marre. énormément, les filles. Et yes. hey, Merci à vous. <laughs> il est le fun, de votre podcast. Yes, merci. Euh... Ah non, mais j'ai d'autres choses à dire. OK, okay. Oui, vas-y. Il faut que vous veniez marcher pour la sclérose en plaques le 26 mai prochain, parce que je suis okay. porte-parole oh. de la Grande Marche SP. C'est où? C'est proche du Parc Maisonneuve? Ou... Non, ça va être dans le nord okay. de, ah. de Montréal. Le parc m'échappe, non. Mais c'est euh, proche de, des, des carrières. Là. OK. Puis mais ça va euh... être diffusé quand, ce podcast-là? Euh, dans quelques semaines, ça sort sur Patreon. Dans peut-être deux ou trois semaines, ça sort sur Patreon. Mm. Ça, c'est notre plateforme où on diffuse en exclusivité à des gens qui payent pour avoir accès à. Mais nos à patrons, ils marchent beaucoup. Non, mais tu sais, ça peut être l'empathie pure. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est atteint de la sclérose en plaques, de cette maladie-là. Mais je pense que ça va être à temps. Parce que, fin, ouais, c'est Après savoir, ça, c'est comme cinq semaines. Tu que oui, c'est approprié de dire oui. ça. mais oui, Et j en tant que fière porte-parole de, ben oui. euh, de cet organisme, moi, je trouve ça super important. T'sais, cette maladie là moi elle me fait peur en fait parce que c'est une maladie dégénérative du système nerveux central puis mm -hmm. ça arrive vraiment comme à, à 20 tu sais ça peut arriver à 20 ans puis c'est mm -hmm. deux fois plus de femmes que d'hommes qui sont atteints de ça puis tu perds tu perds peu à peu ton corps mm -hmm. et ta tête mm -hmm. tu sais tu, tu, tu... Fait que à 20 ans quand tu ce diagnostic là la vie peut être longue en tabarouette mm -hmm. absolument mm -hmm. sais, puis euh, fait que ça peut être juste la partie à 5 km de santé et de bonheur que tu es marché ben c'est extraordinaire, ça va être diffusé à temps. Donc merci d'avoir partagé ça. – Merci d'avoir écouté. Merci. Merci bye.